Voilà, voilà. Remontre les petits cailloux dans le doute. Ouais, ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Alors du coup, vous arrivez les amis sur un magnifique début de Let's Play sur Pokémon Noir 2. On va jouer en gros en random Nuzlocke, donc tout est aléatoire. Et si un Pokémon meurt au combat, c'est fini. Et on peut capturer le premier Pokémon de chaque zone. Voilà, en gros c'est le concept. Bah on fait pas que ça non plus, on fait en globalité on fait pas mal de Nintendo, on fait un peu de React, on fait des jeux de simulation, on a fait du supermarket, du House Sleeper, bref, des petits bangers. Voilà. Et ici, on déconne bien. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Et bien sûr, le Rocher au Moine sera dispo dans la boutique, bien sûr. Bien sûr. Salut Romy, coucou à toi, bienvenue. Et ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez, avec plaisir. Le Discord, vous avez le Discord, l'Instagram, tous les réseaux pour être au courant des prochains lives, bien sûr. Merci encore une fois d'avoir rejoint. Wow, c'est bon, c'est bon. Là, on est posé, on est bien. Je me souviens, je devais avoir 15-16 ans. Là. Mais t'as quel âge? Jérém, je le connaissais, il était petit comme ça. Non, mais il était petit comme ça, Jérém, d'accord? Maintenant, il... Bon, allez, c'est tombé. Maintenant, il est devenu grand. C'est pour ça. C'est pour ça. Je viens d'avoir 18 ans, il y a 7... Oh là, bon anniversaire, Jérém, profite bien de la majorité, bien sûr. Les petits cailloux à choisir. Ah ouais, les petits... Ok. Oh, mais ok. Moi, j'avoue que je préfère le rocher au moine. Le rocher... D'ailleurs, en plus, hier, je suis allé faire 2-3 courses à Auchan. Et vraiment, j'ai vu le chaussée au moine. J'avais très envie d'acheter pour checker un peu la concurrence. C'est bon, ça. Oui. Et merci beaucoup, Chiluve. Je peux t'appeler comme ça? Tu me dis, hein, si je dois t'appeler autrement, tu me dis. Et merci en tout cas, c'est gentil. Mais on essaye. En vrai, vous savez, ici, pas de chichi, pas de blabla. En vrai, on est là pour déconner, on est là pour passer un moment, on est là pour se divertir, pour pas penser au taf, pour pas penser aux merdes du quotidien. Voilà. Tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr. Et re Emiliane, re, et coucou Fenralt. Ça va bien. Mais du coup, c'est trop cool. Putain, mais Jérém, il est majeur. Jérém, je... Putain. Non, mais du coup, j'ai l'impression d'être un vieux couton du streaming. C'est vrai, hein. C'est là, vous vous rendez compte que ça fait 4 ans que je stream, là. Enfin, bientôt, on va bientôt fêter les 4 ans. Bon, ça fait officiellement, je pense, 4 ans, là, maintenant, que je stream. Mais du coup, je deviens un papy du streaming. Je suis un papy du streaming. Romy, ok, y a pas de soucis. Romy, bah, c'est peut-être plus simple, alors. Ça marche, on peut t'appeler Romy, y a aucun souci. On se fend la pierre, ici. Allez, les combats Pokémon, par exemple, sont très populaires. Et te permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Oh, es-tu un garçon ou une fille? Oh. Bon, vas-y, on va. J'ai toujours aimé la coiffure du mec dans cet opus. Ce bâton pour l'anniversaire. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous... En vrai, non, normalement... D'ailleurs, il faudra que je vous fasse le sondage. Mais normalement, il y aura un gros marathon Saphir qui se déroulera normalement. Alors, c'est soit le week-end du 25-26 mai ou soit du 1er de juin. Normalement, il faudra juste que je fasse un petit straw poll pour savoir un petit peu voilà, quel week-end vous préférez. Mais du coup, globalement, voilà, il y aura un gros marathon. Sûrement à voir si c'est sous le format ce bâton. On verra, je sais pas. Je sais pas encore exactement. Oh, je suis Mickey. Un garçon, c'est bien ça? Oui. Quel est ton nom? Ok, on va s'appeler Rock, bien sûr. Le starter pack, on adore. Hop. Faut... Ah oui, d'ailleurs, on va pouvoir nommer l'ennemi. L'ennemi numéro 1. Hop, parfait. Rock, c'est ça? Tu t'appelles Rock? Oh, j'adore ce nom. C'est un streamer incroyable. Et si t'es pas allé le follow sur Twitch? Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Professeur Keteleria, exactement, qui se transforme en Mickey. Non, mais c'est juste parce qu'en fait, je ne sais pas faire les voix un peu aiguës, à part Mickey, en fait. C'est pour ça. Donc, si jamais vous voyez que je fais une voix... que je veux faire une voix aiguë, voilà, ce sera toujours Mickey, malheureusement. Malheureusement, le coup dur. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour le lurk, ça doit... Mais courage pour la game. Et à toutes, Jérém, ça me fait plaisir, en tout cas, de te revoir passer. C'est qui l'ennemi? Je sais pas. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Oh, pourrais-tu me rappeler son nom? Il s'appelle comment? Parce que Matisse, c'est un peu... C'est éclaté, Matisse. Bon, alors, il y a qui que j'aime pas dans le chat? Ok, on va l'appeler...
Non, c'est bon, la vanne, c'est bon. Allez, on va l'appeler boule pollen. Wisebot, oui. Oh, j'adore. Ok, c'est bon, on l'appelle Wisebot. On l'appelle Wisebot. Je valide très très fort le Wisebot. Parce qu'en vrai, ça rentre surtout. Non, mais comme ça, vous allez pas me dire oh non, tu m'aimes pas. Non, c'est bon, c'est ok. Hein, comme ça, vous le prenez pas personnellement. Oh, pire. Non, mais Saphir, Wisebot, c'est parfait. C'est le nombre de caractères précis. Non, ouais, c'est bien Wisebot, n'est-ce pas? Oh. Ah, putain, merde. Tout le monde est Mickey ici. Oh, vous êtes des souris. Oui, c'est Wisebot. Allez, Wisebot. J'avoue qu'il a l'air détestable, par contre. Hein. Oh, putain, non, vraiment détestable, le rival. Rock, comme je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera. Au cours de ces... Quoi? Au cours de tes au cours de tes pérégrinations. D'accord. Tu peux pas dire au cours de ton aventure, comme tous les professeurs Pokémon. Obligé de faire chier le monde, hein. Ripley Matisse. Mais Matisse, ça fait pas... Mais en vrai, Matisse, ça fait pas blase de Dark Sasuke, tu vois. C'est pas un blase d'antagoniste. Et coucou, merci beaucoup The Demon, merci beaucoup pour le lurk et coucou petite étoile aussi. Ah bien sûr, un bête de moment. Non mais on est d'accord que Matisse c'est un bon pote, tu vois. Matisse c'est le pote que t'avais en 5ème B au collège Henri Brisson. Voilà, Matisse. Mais c'est à aucun moment, Matisse c'est un pseudo méchant. Hein. Non, je suis désolé. Hein. Ouais, non, Voicebox je le déteste. Hein. Si je pouvais le ban, je le bannerais sévère. Hein. J'en ai rien à foutre. C'est ça, parce qu'il a dit que t'étais. Il a dit qu'il était plus vieux que moi, donc forcément. Forcément, j'ai pris les lieux de ce chat, et vu que Shirachou n'était pas là, bah, je me suis dit, ok, c'est boule pollen. Et merci du coup, Oh OMG, merci GM pour le refollow. Nous sommes des souris. Non, vous êtes des magnifiques. Non, des magnifiques cailloux. Vraiment, vous êtes des cailloux, mais plus, ok. Vous êtes des cailloux vraiment plus. C'est bon ça. Vraiment. Des cailloux, tu vois là, le petit galet là que tu croises dans la rue, mais vous êtes là-haut. C'est pour ça. Bon alors, tu veux quoi avec tes pérénigrations? Waouh, bon ok, allez. J'espère que tu te retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Mon trêve de bavardage en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki. Non alors, elle dit pérégrination et c'est parti mon kiki. Cette personne a approximativement 62 ans, d'accord? À peu près, au minimum quoi. Et encore des galènes, plus. Ouais, vous êtes pas des vieux gravillons de merde là. C'est le gravier qui te fait chier là, qui rentre dans le slibard. Non, c'est bon. Vous êtes pas ces vieux grains de sable de merde, non. Vous êtes là-haut là. Vous voyez le mont Fuji? Bah, c'est mieux que ça encore. J'avais un pote Matisse en 5ème B, mais tout le monde avait un pote Matisse en 5ème B. Forcément. C'est vrai, hein. C'est le starter pack. Parce que Wisebot, ça fait Dark Sasuke, ouais, un peu. Je trouve que Wisebot, ça fait un peu Dark Sasuke pour le coup. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite maman? C'est notre mère? Oh, c'est quoi? Oh non, c'est quoi cette... Arrêtez! Qu'est-ce que quoi? Allô? Oui! Ketelleria? Oh, ça faisait longtemps! Un Pokédex? Pour mon trésor? Mais ce serait génial! Je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant vole de ses propres ailes! Ce connard de merde qui reste à la maison alors qu'il a 40 ans! Oui, elle vient ici, tu dis. Ah, comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca, avec un gros chapeau. Entendu. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Allez, on va faire la connaissance de Bianca, bien sûr. Bianca, voilà, on adore. Non, pas ce prénom, je connais quelqu'un qui m'a trompé. Ah, mais c'est pour ça, on l'appelle Wisebot. Comme ça, je pense que personne n'a été traumatisé par Wisebot, si. Oui, c'est vrai qu'il y a des saisons dans ce jeu. Après, c'est parce qu'à mon avis, je pense que c'est à cause de l'émulateur, pour le coup. Alors, vraiment, par contre, la coupe de cheveux de ce personnage est le palmier de noix de coco, quoi. Tu connais le professeur Ketelleria, mon trésor? Une célébrité spécialiste des Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais... Dis-moi, mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Non. Je suis surprise, très surprise. Bon, je comprends cette facilité, mais je repose la question. Dis-moi, mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Non. Non mais attendez, pause, est-ce que vous pensez que ça peut aller très loin comme ça? Ah ouais, ok, c'est toujours la même chose, ok, bon, ouais. C'est bon, ok, bon, t'as pas le choix, en fait, c'est vraiment une question rhétorique, quoi, pour le coup. Non, mais on n'a pas le choix.
On n'a pas le droit à dire non, en fait. Oui, c'est bon, on connaît le Pokédex, on a compris. Qu'est-ce que tu veux plus, là? Oui, bon, c'est bon, on veut le Pokédex, sinon on va dire « Oh, t'hésites !» Faudrait pas, hein. Ça, je suis désolé, ça, elle connaît pas le consentement. Non, 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 notre daronne ne connaît pas le consentement, c'est pas bien. Ne faites pas comme elle. Un non, c'est un non. Elle a mis le Vokit dans mon sac. Tu sais comment l'ouvrir, non? Ouais, normalement. C'est comme dans tous les Pokémon, je pense. Ça a pas bougé, pour le coup. Du coup, je me suis acheté 2 mangues. Oh, le petit... Des mangues, ça fait longtemps. Mais bonne dégustation. J'avoue que c'est un petit banger. Bon, ok, on va devoir aller chercher Bianca. Du coup, alors apparemment, de ce qu'elle nous a dit, elle a un gros chapeau. Voilà. Voilà. Oh. Rock! Ok, lui, il faut... Attends, il faut... Ouais, c'est vrai que c'est Wisebot. Attendez. C'est Wisebot. Alors, ça y est! T'as enfin un Pokémon! Oh, toujours pas! Y'a pas de dresseur dans ce trou perdu! C'est d'un barban! Hein? Y'a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon! Sérieux! Rock! Sur soi, Pokémon, surtout prends soin! Qu'est-ce qu'elle fout? Mais pourquoi il serait avec ses. Elle a raison! Allez, on va chercher ton Pokémon! Parce que j'ai des trucs à faire, toi, avec toi après! Oula! Je pense qu'il veut, il veut en découdre. Là, ça commence à peine, le monsieur, il veut un peu en découdre. Non, crédit fin. Oh, mais oh, le speedrun de fou, par contre. Je valide. Ils auraient tellement dû faire ça. Ou, tu sais, juste au moins un bait. Tu sais, un petit crédit fin fake. Genre, juste pour le troll, Agito. J'aurais trop aimé. Vraiment, j'aurais trop aimé. Juste SVP, quoi. Tu prends ton Pokémon et c'est ça. Du coup, je me suis fait un peu insulter, je t'avoue, Jax. Là, je me sens pas très bien, pour le coup. Bon, alors, du coup, je crois que la... Elle est pas à l'observatoire. On l'avait vu dans le trailer du début. Je crois que c'est ici. Après, c'est un peu les souvenirs aussi qui parlent, pour le coup. Je m'attendais à une voix de repos. Bonjour, je suis Wisebot. La colline. Je suis sûr qu'elle est sur la colline. T'as bien chose, là. C'est une fille. Elle veut admirer le paysage. Surtout si elle est jamais venue à Pavonner. Allez, va récupérer ton Pokémon. Un peu comme ça ou pas? Moi, j'avoue que la voix 1 me fait est un peu plus stylée quand même, pour le coup. Hein. Je peux me racheter un nouveau VIP. Putain, mais Gatien, t'as combien de... Oh merde, attends, les lunettes. Oh, Nefenti, les lunettes. Hop là, petite lunettasse. Hop là. Alors, il y a des grosses... Attendez, il y a des grosses traces de doigts. Coucou Lily, tu vas bien? Ok, c'est bon. Désolé, j'ai nettoyé mes petites lunettes. En vrai, c'est banger, les mangas, pour le coup. Petit banger. Quel beau paysage! Dis, tu n'es pas d'accord? Bon, allez, non, crédit de fin. Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Bianca au gros chapeau. Je suis l'assistante du professeur Catelleria. Tu habites ici? Alors tu pourrais m'aider? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Rock. Tu la connais, cette personne? Justement, des... Mais c'est toi, en fait! Oh, quelle chance j'ai! Non mais, hey, c'est pas possible. C'est fou, ça. Bonjour, je suis trop contente qu'on se rencontre. Oh, bon, je dois te poser quelques questions d'abord. Ah, c'est pas mal, ça. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Oui, grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Oui, oui. Non mais, c'est bon, oui. Et maintenant, ta dame, ton futur... Oh là, ok, alors, attendez. Parce que là, les amis, faut se dire que... c'est du random, d'accord? Tous les Pokémon sont random. Tous les Pokémon sont absolument random. Tout est absolument random. Donc là... Là, il faut qu'on ait, on touche du bon. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Si on voit les 3 Pokémon, c'est normal, c'est normal. L'heure est grave, les amis. Alors, du coup, là, j'ai besoin d'un volontaire. D'un ou d'une volontaire, bien sûr. Hein, pour avoir son pseudo pour le starter. Sachant qu'à tout le monde, a 3 bouses. Hein. A 3 grosses merdes. Ce menton. Je l'ai fait refaire. Je suis un des frères Bogdanov, bien sûr. Alors, je tiens à dire que les Pokémon que vous voyez là, ce n'est pas les Pokémon qu'on va avoir. Je préfère préciser. Hein? Ok, c'est parti pour Romy. Bon bah, le premier Pokémon s'appellera Romy, c'est parti. Bah écoute, ça va bien. Écoute, Lily, ça va bien, en forme. Tout ça va bien. On commence un nouveau Pokémon, je suis content. Je suis involontaire. Mais en vrai, vous faites bien, hein, parce que tout le monde a que de la merde. Hein. Ok, bon alors, les amis. D'accord. Bon bah, ok. Bon bah, d'accord. D'accord, ok. Alors, on va voir, attendez, ce qu'on a d'autre à côté, quand même. Ok, Nidorina.
Noctalie et Armulis. Bon bah je voilà hein, moi je y a pas de débat hein. Y a pas de débat donc bah du coup le Noctalie on va l'appeler Romy, voilà. Alors du coup je rappelle voilà que en gros on peut capturer un seul Pokémon par zone et qu'à chaque fois je vous donne votre blaze à un des Pokémon du coup. Ces lunettes t'aimes bien lunettes? Ouais, c'est un petit peu stylé là. Bah bien sûr, y a pas débat quoi. En vrai le Nidorina ça aurait pu être sympa, mais non Noctalie. Noctalie en vrai c'est bon ça claque. Pitié. Tu veux être un Armulis Romy vite fait là? Let's go, on obtient le Noctalie. Oh vraiment je suis trop content là. Pour le coup, là, on a de la chance de fou. Hein. Oui, on va lui donner un petit surnom. Non, mais on a de la chance de fou. Hein. Parce que, honnêtement, avoir un bon Pokémon en randomizer comme ça pour les starters, c'est. Ouais, c'est un peu bancal. Hein. Ok. Bon, bah, nickel. Hop. On est parti. Coucou, Pitz, comment ça va? Avant de reprendre le. Tu bosses ce soir, Pitz? Courage. Plein de force, courage à toi. J'espère que ça va aller. Alors du coup ouais, mais sauf que le problème c'est qu'en plus de ça, les évolutions sont aléatoires. Donc c'est pour ça que vu qu'on prend Noctali, c'est un personnage qui est, enfin un Pokémon qui est déjà évolué, il risque pas de changer. Alors que si on prenait Armulis, il pourrait évoluer. Il pourrait évoluer en un truc encore mieux, mais bon. Voilà, ça me va, c'est parfait. Jusqu'à 23h, mais courage mon Pitz, courage. Et force à toi. C'est toujours pour la même personne ou pas, depuis où ça a changé? Bon de toute façon, on verra bien dans tous les cas. On verra bien. Bon, là, du coup, on va devoir se tabasser contre Wastebot. Ok. Étape suivante, le Pokédex. Ok, y a pas de soucis, ça me give le Pokédex en 2-2, ça fait plaisir. Du coup, de ce que j'ai compris, on aura des Pokémon de la 1 à la 5ème génération. Donc, c'est cool. Ah, ok. Trop bien, alors, Pete. Trop bien, si ça change pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que au premier coup d'œil, y avait pas débat. Hein. Moi, je déconne pas. Hein. Noctalie. Bon, peut-être que Noctalie est un Pokémon qui est un peu surcoté, un poil. Ça reste quand même un Pokémon de fou, hein. C'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable, la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites Unis partout pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur Catederia, tu comprends? Ouais, très bien, y a pas de souci. Allez, on se casse et du coup, on va devoir se battre, je suppose. Et ouais, moi, ça roule, écoute, Pitz. Ça roule, globalement, je suis dans... comment ça s'appelle? je suis en phase de déménagement. Je récupère les clés dans 12 jours. Donc j'ai hâte. Je veux pas te mentir. Au premier abord, t'as une coupe de cheveux étrange. Attends, pause. IRL ou in-game? Merde, pardon. Ouais, IRL. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est normal. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux qui sont épais. Des cheveux qui sont... vraiment, en fait, j'ai les cheveux hyper épais qui poussent très vite. Donc en fait, ouais, j'ai pas une coupe comme les autres, je sais. Salut Duck Nuggets. Coucou à toi, bienvenue en tout cas, salut. Après au final, ma coupe t'a fait cliquer. J'adore. Ouais, en vrai j'ai une coupe un peu spéciale, ouais. Ah t'as les cheveux pareils. Mec, force, on est ensemble. C'est tellement... Non mais c'est... Les cheveux comme ça là, les cheveux hyper épais là, raides de fou, je suis désolé. On a que deux coiffures possibles. C'est soit tu les coupes court et tu les lèves comme ça, soit tu les laisses un petit peu partir en avant comme ça. Il y a deux coupes possibles. C'est le starter pack. Donc force à tous ceux qui ont les cheveux raides et épais. On est ensemble. Mais c'est ça, je suis pareil que toi, putain, bordel. Attends, mais seront, on se ressemble de fou. Se trouve, t'es mon jumeau. C'est possible, hein. C'est possible, hein, qui sait. Mais voilà. Du coup, ça a été un... Non, mais ça a été un trauma d'enfance, mes cheveux, hein. Genre, j'arrivais pas à les dompter à l'époque. Maintenant, ça va, j'y arrive, mais bon, à l'époque, non. Et si tu tombes sur un Shiny dans une zone où tu as déjà capturé un Pokémon, oui, je dois le laisser filer. Après, dans tous les cas, si je tombe sur un Shiny, il va pas se... En vrai, c'est une ROM, donc dans tous les cas, je vais pas pouvoir, tu vois, récupérer ce Shiny-là pour le mettre ailleurs. En vrai, je suis pas sur une DS, là, et c'est un peu dommage, mais les captures cartes DS coûtent très très cher, pour le coup. Je tente la crête... Bah, moi, écoute, au pire, tu sais, moi, j'ai envie de tenter plein de choses. Un jour, je ferai une boule à Z, peut-être. Je suis dans oubli, ouais, l'oubli. C'est pour ça. Il y a le stress du déménagement, tout ça, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. En ce moment, j'avoue, le déménagement, il me prend pas mal la tête et tout, pas mal de stress. Donc, les moments de stream me permettent vraiment de détendre et de penser à autre chose. Et ça fait du bien. Pour le coup, en fait, avant de lancer le live, j'étais stressé à fond. Et là, ça va tellement mieux.
Mais en tout cas, courage. Duck, courage à toi. Boule à Z au rasoir, un délice en... T'as déjà tenté ou pas? Moi, j'ai toujours très peur, hein. Je vous le dis à chaque fois, hein. Mais la boule à Z, en vrai, j'ai très peur de ça. Parce que j'ai peur d'avoir un crâne moche. Alors que j'ai des potes, ils sont trop BG en boule à Z. Genre, c'est... Hey, c'est vrai, hein. Ils ont fait un glow-up de fou malade. Mais ça fait peur, hein. Tu vas battre avec... tu vas te battre avec ton streamer, putain. À tout moment, je le vire, hein. Je pense que Saphir, à tout moment, je le vire, le Wisebot, hein. Fais la boule à Z. Mais t'avais en plus, t'avais déjà testé. Mais toi, Pete, ça t'allait bien en plus, hein. Non, aucune vanne, ça t'allait super bien, je trouve. Bon, c'est bon, on peut se battre. Non, mais... Ah, mais voilà, enfin, on se bat, c'est bon. Ouais, il parle en anglais, là. Oui, il a... Attendez, pause. Il a fait... Il s'est cru Google Trad ou c'est quoi, le Wisebot, là? Let's see how good a trader you are. I use my Pokémon that I raised from an egg. Pourquoi il est parti en anglais, là, le monsieur, là? Pourquoi? Attendez, il s'est passé quoi, là? Il a... Analyste Wise... Oh, c'est Analyste Wisebot, oh, j'adore. J'ai déjà fait plusieurs fois, Osef des autres, sensation folle. Mais j'avoue, là, quand t'as le crâne rasé, tu dois avoir... C'est le vent qui passe à travers les cheveux. Ça doit être incroyable, hein. Ok, alors on a quoi comme attaque? On a cadeau, feinte, machouille. Ça va, on a machouille, c'est ok. Bon, on va le ruiner normalement. Y a pas de raison. Voilà. Quoi? Il a attaque Megacorn? Ok, bon, on a failli se faire détruire. Avec la boule à zéro. Mais, enfin, ouais, non, mais... Alors, les chevaux au vent... Non, mais vous avez compris. C'est juste que tu sens le vent... t'as... Voilà, tu sais, t'as pas toute cette masse capillaire qui bloque... Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Du coup, comment t'es arrivé ici, Doug Nugget, là? C'est juste que t'as scroll et tu dis... Putain, lui, il a la même coupe que de cheveux que moi. Force, on est ensemble. Mais un jour, on montrera... Je pense qu'on montrera un collectif des mecs qui ont les cheveux épais et raides. Vraiment. J'ai perdu! J'y crois pas! C'est pas contre un Pokémon... Quoi? C'est pas comme contre un Pokémon sauvage! Pas grave! T'es un bon dresseur, c'est tout ce que je voulais savoir! Bon, je mets les voiles! Toi, tu t'entraînes dur, ok? Ok, d'accord. Et coucou Corny, comment ça va? Oui, tu dois avoir... Ouais, non, mais les cheveux... Ouais, non, mais c'est bon! Oh, hey! J'avais pas capté tout de suite, là, ce que j'ai dit. Bon app, Zoruya, bon app. C'est vrai qu'au pire, si ça te plaît pas, il y a toujours la solution de la casquette, c'est vrai. Ou du bonnet aussi. Casquette l'été, bonnet l'hiver. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, ils sont encore faibles car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Waouh. Bon, ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Ah, il nous fait la visite guidée en plus. Voilà, goat, hein. Le big orgasme de la boule à Z, c'est quand tu te retrouves sous la douche et que tu fais ruisseler l'eau sur ton crâne. Ça fait très moment de méditation. Ruisseler l'eau sur ton crâne. Non, j'adore. Mais je pense que c'est une expérience à faire. Je pense que la boule à Z est une expérience à faire. Pour le coup, c'est un peu comme le projet cheveux longs. J'aurais bien aimé, mais comme dit justement Duck Nugget, c'est qu'en fait, c'est impossible. Genre, en fait, ça, les cheveux, quand tu les rends trop longs, ça fait un espèce de casque et tout. C'est horrible. Impossible. Et bon appétit à ceux qui vont manger, bien sûr. Hein. Mettez-vous bien. Mettez-vous le bide. J'ai fait du Pokémon, il a fini sa run et je lui ai... Curiosité de voir qui joue à Pokémon sur Twitch. Ah, tu viens de chez... Ok, Gigi. Ah, ben voilà. D'où... Bah... Attends, c'est à cause de lui que t'as tenté le truc ou pas? Super, depuis que je suis sur son stream. Putain, mais Corny... Oh, les bonnes disquettes. On aime les disquettes, hein. Non, mais ça me touche, Corny. Ça me touche. J'espère que ça a été la journée, hein. Je l'ai fait en 2023, j'avais un gros crâne. En vrai, je pense que tu vois, la période optimale pour le faire, c'était le Covid. Et j'aurais pu, mais c'est vrai que j'ai pas eu les couilles pour le coup. Par contre, j'ai tenté de me faire une peu coup moi-même, quoi. J'ai tenté de me raser un peu moi-même, du coup, de me faire un espèce de dégradé. C'était pas fameux, hein. Faites pas appel à moi. Non, vraiment, ne faites pas appel à moi. C'est tout ce que je vous demande. Ne faites pas appel à moi si vous voulez faire une coupe de cheveux. Oh, ok, elle va nous faire... Bon, on s'en fout. Je vais press A, parce qu'elle nous fait découvrir comment marche un centre Pokémon. Voilà, hein.
Jiraiya aka l'anaconda algérien aka la calve. Putain, la boule aisée des Rockies, c'est ça. Tu peux pas parler sur... En fait, tu vois, t'as des streamers pour lesquels... En fait, sur Twitch, vous avez des streamers pour lesquels, justement, il y a des choses qui sont requises avant de pouvoir parler sur un chat. Par exemple, il y en a, c'est de follow depuis X temps. Il y en a qui, justement, il faut avoir un numéro de téléphone validé. Et genre, t'as justement le stream de Jiraiya, pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer qui, bon, qui date un petit peu tard à l'époque, où justement, il faut être chauve, quoi. Et du coup, tu joues à Pokémon aussi ou pas, Duck? Ça se parle les cheveux alors qu'il y en a qui ont des calvicies. Mais tu sais que en vrai, des gens qui ont des calvicies ont un charme de fou. Hein. C'est pas pour justement, moi j'enfonce pas les gens qui sont chauves. Hein. Pour moi, j'ai des potes, ils ont fait un glow up de fou. Tu vois, ils sont passés. Bon, ils étaient extrêmement BG déjà auparavant, mais tu vois, ils sont devenus encore plus. Tu vois, genre Paul Eden qui était là tout à l'heure, il a fait un glow up de fou, tu vois, avec le crâne rasé. Et je pense que ça peut aller très bien des personnes, tu vois. Petit crâne rasé, petite deux barres soyeuses, c'est carré. Hein. C'est bon ça. Donc je me dis, tu vois, un jour je l'attente. Hein. Un jour je l'attente et au pire ça m'ira pas. En vrai, la seule chose que je peux vous dire, c'est à la limite, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un stream un jour quand on refera un stream caritatif. Je le mettrai en goal, plus accessible et comme ça le fera, d'accord hein. Et comme ça on va. Je finirai chauve pendant l'event. Comme ça sera une excuse pour le faire. Et comme ça je verrai à quoi je ressemble chauve. Voilà, ça me paraît bien. J'ai stoppé sur 3DS, les Pokémon en 3D, à 10 FPS sur... Ouais, sur Switch, ça va pas... Ouais. Je peux comprendre, ça a été En fait, ça a été un gros débat. J'en ai fait une vidéo YouTube. Et c'est vrai qu'on croise les doigts pour honnêtement une amélioration par la suite, parce que bah, Pokémon reste quand même une licence incroyable qui a bercé ma génération. Moi, j'y joue depuis la Game Boy Advance, j'y joue depuis Pokémon Emerald. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je continue quand même à y jouer. Hein. Je suis un peu un pigeon, mais au final, on aime ça. Ouais, carrément, peut-être à tout à l'heure, Nefenti. Et courage, en tout cas, aussi. Hein. Courage pour le boulot et, en tout cas, le ce week-end. Courage à toi. Boule pollen calvitie, j'ai pas compris. Mais quoi? Mais j'ai pas du tout dit ça, si. En vrai, à tout moment, boule pollen, ça lui irait super bien. Je sais pas. Je vais venir à la boule à Z. J'ai la même peur que toi. Non, mais j'ai peur d'avoir un crâne moche. Tu vois, genre, typiquement, pour ceux qui voient Domingo, quand il avait fait le Z-Event, c'était quoi? C'était 2018? Je sais plus, 17? Où ils sont tous rasés le crâne. Bah, Domingo, il avait un crâne un peu plat, quoi. C'est pour ça, je me suis dit, bon... Voilà. Donc j'ai peur de mon propre crâne. C'est pour ça. Bon, on s'en fout, en vrai, parce que j'avoue que... Là, ça parle beaucoup trop, là. Moi, je veux juste aller attraper des Pokémon, là. Bon, du coup, je rappelle qu'on a les Pokéballs, qu'on va pouvoir attraper un premier Pokémon et qu'on va dire au revoir à la maman. D'accord, on va faire nos adieux. Au revoir, mon trésor. J'espère que ton Gruikui et toi, vous rencontrerez plein de Pokémon et de gens et qu'ils vous apporteront beaucoup. Un plaisir. Au revoir, maman. Allez, on se casse. Ah, c'est bon, Ah, mais attends, mais il y a un tuto pour attraper les Pokémon, je crois. Oh, non. Ah, si, non, ouais. C'est un Pokémon? Oh quoi? Tu as un Pokémon? Eh oui, j'ai un Octalia avec moi, exactement. Vous allez faire quoi? Tu vas perdre les followers, je pense, si tu le fais. C'est pas grave, écoute. Au moins, j'aurais testé et je mourrais pas bête. Mais je sais que je le ferai un jour. Tu vois, c'est... En fait, c'est ce genre de choses dans ma vie. Je sais que je les ferai. Genre, typiquement... ouais, boule à Z. Je pense qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire et que j'aurais envie de faire, mais qui ne donnent pas en même temps envie. Enfin, c'est très compliqué. Mais je me dis, autant essayer de les tenter parce qu'on n'a rien à perdre. Voilà. Un jour, je me ferai la boule à Z. Hein. Non, t'as les Pokéballs à Z. Alors, moi, quand tu me dis t'as les Pokéballs à Z, j'ai l'impression que tu parles de mes couilles. C'est pour ça. Bon, allez, vas-y, attrape ton chat creepant, là. Et comme ça, on va pouvoir choper le deuxième Pokémon de la run. Et d'ailleurs, bah, il me faudra un volontaire aussi. Un ou une volontaire pour ce Pokémon-là. Je pense qu'on a tous cette peur là. En vrai, il y a des choses que vous aimeriez bien faire dans votre vie mais qui vous font peur. Tu vois, typiquement par exemple un saut en parachute ou ce genre de choses. Ok, moi je vais l'attraper. C'est pas pour moi la boule à Z, ah ouais? Jamais ça ne tente pas? Genre, ouais, dès que ce sont des projets capillaires, des trucs un petit peu fous, il y a des trucs qui vous chauffent. Mais en même temps, vous avez peur, mais en même temps, vous vous dites, ok, faut quand même que je le fasse dans ma vie. Parce que je pense qu'on est tous à avoir ce genre de projet. Hein. Ouais, ok, bon, elle a attrapé son chat creepant. Ok, Ah ouais? Tu l'as pas dit à tes proches, Oxy?
Ok, bon, il fatigue de ses PV, machin, machin. Ça, on sait. Non, mais je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. C'est Amalide. Oui, Amalide. C'est avec les trois refs, là, qui tiennent l'arène. C'est tout ce que je me souviens après du jeu. C'est tout. Bon, elle me laisse. Comme ça, on va pouvoir attraper le premier Pokémon. Enfin, deuxième Pokémon, en soi, de la run. Courage, en tout cas. Pas à ma famille, en tout cas, ok. Mais courage. C'est pas simple. Enfin, je vous dis ça comme si j'en avais déjà fait un nom. Mais c'est pas simple et enfin ouais, c'est quelque chose d'assez délicat et ça dépend vraiment justement des personnes qui vous entourent. Après, vous avez aucune obligation d'en parler directement pour le coup. C'est fait quand vous vous sentez à l'aise, etc. Et quand vous savez aussi que bon bah cette personne-là réagira de manière normale, hein, on espère. J'ai cherché mes anciens messages sur ton Discord. Putain, what the fuck. Putain, 2020, Ah, mais c'était à l'époque de Rocket League en plus. Hein, c'était incroyable. Bon, les amis, c'est qui le prochain? Qui sera le prochain? Mais en tout cas, ouais, hey, courage à vous. Mais vous allez le trouver, mais... Après, je pense que c'est quelque chose, il faut pas se presser non plus. C'est pas un truc où vous dites, ok, j'ai une deadline. Mais je comprends qu'après, vous pourrez vous sentir soulagé. Mais big force à vous, en tout cas. J'espère que ça va aller, pour le coup. C'est ça, en fait, c'est ça, comme dit Hélène, c'est ça. Je trouve que c'est très vrai, pour le coup, il n'y a pas une grosse... Enfin, je sais que c'est une pression, mais indirectement, il faut essayer de se détacher de tout ça, je pense. Et c'est justement, voilà, de se dire que chacun fait les choses, chaque chose en son temps, voilà. Chaque chose en son temps. Que ça presse pas forcément, que c'est pas une obligation. Tant que vous êtes bien avec vous-même, c'est le principal. Salut Métis, coucou à toi, bienvenue. Bienvenue. Perso, je dois aller me faire couper les cheveux car ils sont abîmés et j'ai peur de perdre ma longueur. T'as les cheveux jusqu'à où? Ouais, et du coup, t'essaies de couper, genre. Tu veux demander à couper les pointes? Ouais, les pointes, mais on connaît, hein. Non, moi, je connais pas. Si, quoique si. Même chez les mecs, ça arrive, je leur dis oui, j'aimerais bien couper un chouïa et je reviens, j'ai. Je suis ici, quoi. Ouais, laisse tomber. Bon, qui veut se porter volontaire? Qui veut se porter volontaire? La boîte de le prochain Pokémon? Qui veut avoir son magnifique pseudo? On fait de l'aléatoire, parce que sinon ça va se battre. Oula. Ok, Saphir. Nickel, Saphir. Comment ça va, Lolo? Coucou à toi. En bas du dos, ok. Ah ouais, sacrément long, pour le coup. Moi, j'avoue que là où j'ai eu les plus longs, c'était au niveau du nez, quoi. Non, mais je pense que je vais pas pouvoir l'attraper. Oh, merde. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce niveau de luck? Oh la dunks! Oh la dunks! Alors... Je le one-shot pas avec ma chouille, mais en fait j'ai... Là, je vais être très fin avec vous. Je pense qu'on ne capturera pas. Parce que honnêtement, moi je suis avec des Pokéballs, les gars. Je suis avec des Pokéballs, donc ça va être très dur de le capturer. Je pense. Et j'ai peur... On va décéder. Oh, ça va, ok, t'évites l'attaque, c'est bien. Oh, c'est le destin! C'est le destin! C'est Saphir! Saphir, tu dois. Saphir, croise tout ce que tu peux croiser. Tu croises tout ce que tu peux croiser, ok? Ouais, il est level 4, mais ça reste quand même un légendaire. Donc, un légendaire, ça risque d'être un peu dur. Y'a pas de soucis, à tout à l'heure, Ilan. A tout à l'heure bonne préparation de bouffe. Écoute, très bien, Lolo. Ça a été ta journée. Tu vois, genre, il fait zéro tour dans sa Pokéball. Donc, en fait, ça risque d'être très, très dur pour le coup. Allez. Putain, mais il fait zéro tour. Hein. Le problème, c'est qu'il fait zéro tour, quoi. Et en plus, il me fait attaque roulade. Bon. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça risque d'être dur. Là, je vous dis, globalement, ça risque d'être très dur parce qu'il est en attaque roulade. Les Pokéballs, c'est pas très efficace. Mais on va... tout est possible encore. Tout est possible. Ok, de 1, on en a une. NP, c'est pas grave. Ça nous enlève combien d'HP, là? 15, ok. Allez, c'est maintenant ou jamais, hein. S'il vous plaît, j'ai jamais eu de chance dans un... Non.
Bon bah je pense que ça risque d'être dur. Parce que à tout moment je pense qu'on risque de... Je vais vous dire. Ouais, je vais devoir fuir. Ça va mettre chute impossible. Oh non. Bon bah... Bon bah ce serait fini vite hein. Non ouais c'est je m'attendais un peu à ça pour le coup. Bon je vous propose on fait un restart. Salut tout le monde, on se trouve pour un nouveau let's play sur Noir 2 et on va jouer en randomness doc. Allez. Oh trop bien, on a eu un Octali qui s'appelle Romy. Trop bien. Allez trop bien. Oh en plus on a battu le rival. Waouh. Eh, ça allait super vite. Allez du coup nous allons attraper notre premier bien sûr Pokémon dans les hautes herbes. Voilà, cela il est fini. J'imagine. Tout dépend de la famille qu'on a aussi. Ça peut être plus... Oui c'est pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas t'sais, de... C'est, voilà le timing. Voilà il... Faut pas se presser non plus je pense. Bon bah c'est pas grave hein, c'était sympa le challenge le plus rapide. Faire un game over rapidement, bah ouais bah c'est compliqué aussi hein. Bon bah désolé hein. Bon bah c'est pas grave, on reste comme ça et vas-y, Saphir tu seras le prochain, ok. Allez. Non, s'il me refout un Latias, je pète un câble. Un judo... Oh non, un judo crack. Ok, c'est ok, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Bon bah voilà. Saphir, tu seras un judo crack. En vrai, ça va, c'est ok ou pas, judo crack, en vrai. Ah merde, ça fait... Oh, ça fait si peu de dégâts. Non, mais... Je dois fuir. Je suis obligé de fuir, en fait. Après, attendez. Oh, attendez, à la synchro. On peut tester une fois. Après, j'ai une potion, au pire. Non, vas-y, vous savez quoi, on va tester. J'ai une seule potion, par contre. Putain, mais le plaisir, là. Attends, mais il est type quoi, là? Il est type juste combat? Attends, cadeau, c'est quoi, déjà? Bon, écoutez, on fait juste... Ok. Je peux pas... Ok, je peux pas attaquer, je suis paralysé, très bien. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi attaquer, par contre. Ouais, moi aussi, je... Oui. Est-ce qu'on se tente une... Vas-y, je me tente une Pokéball. Moi, à tout moment, on décède, hein, mais c'est ok. Je me dis, il est paralysé, c'est ok. Ouais, moi aussi, il me fait un peu peur. Il me donne pas très envie, quoi, je t'avoue. Ok, on va devoir... Alors, je vais devoir potion. Je vais devoir potion into, essayer de lui remettre des dégâts. Putain, mais je n'ai jamais commencé un let's play aussi, de manière aussi compliquée. Ça n'a jamais été aussi compliqué de démarrer un let's play Pokémon. Rien foutu de la journée. Bah, j'ai envie de te dire, j'étais dans les... Dans la paperasse administrative, tout ce qui est électricité, gaz et tout, donc... Bon, j'ai l'impression d'avoir rien foutu non plus. Je vais essayer de lui refaire une attaque cadeau, et après on va réenchaîner avec une Pokéball. Putain, mais je suis paralysé, laisse tomber. Je peux pas. Mais c'est... Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais je vais pas fuir. Allez, s'il te plaît, dis-moi au moins que tu lui sale capture, s'il vous plaît. Oh non, mais frère. Oh, la vie est nulle. Et enfin. Enfin, il peut pas attaquer. Bon, là, on va jouer vraiment... Là, c'est du... Là, c'est du random, là. Là, je vous le dis. Ok, il a pas pu attaquer. Ok. Non, non, là, vraiment. Là, on me... Le jeu me déteste, hein, pour le coup. Le jeu me déteste, mais c'est pas grave. Le jeu, vraiment, me déteste. Ok. Ok. Oui. Let's go. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça va. Ouf. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, bravo, Saphir. Coucou, c'est Sushi. Tu vas bien? Ou plutôt ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est sûr. Après ça pour le coup c'est bah, quoique en vrai t'as 18 ans, j'ai envie de te dire tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est vrai que je pense que les mettre au courant, c'est important, Oxy. Après peut-être que je sais pas, en vrai je sais pas si ce qui est le mieux à faire en tout cas. Est-ce que tu penses qu'ils le vivront mal ou est-ce que tu penses que... Mais courage en tout cas. J'avoue que je sais pas trop quoi te dire, j'avoue. Pour le coup. Mais en tout cas, plein de courage et ça va le faire. J'en doute pas. J'en doute pas. Saphir, tac, parfait.
Au moins c'est bon. Non. Ah non, non, non. Attendez. Hop, Saphir, parfait. Bon, du coup, désolé, Saphir. En plus, surtout que t'évolues pas, quoi. Genre, vraiment, c'est un peu guess parce que t'évolues pas du tout, quoi. T'évolues pas du tout. Et tu es jusqu'à quelle heure? Je sais pas, 22-23h, je pense. Je pense qu'on sera en live jusqu'à 22-23h, peut-être omis. Peut-être à toutes, ou sinon, dans tous les cas, vous avez le planning sur le Discord et vous avez aussi le planning sur Instagram, si vous voulez. Voilà, donc le prochain live, normalement, sera dimanche à midi. Je sais pas exactement ce qu'on fera encore, pour le coup. C'est trop beau, on commence avec le Noctali. Je pense que ça m'a apporté énormément de poisse, hein, pour le coup. Je pense que le Noctali, ça a été le karma inverse, pour le coup. Ok, alors du coup, le judocrac, il avait l'air d'avoir des bonnes attaques, hein, pour le coup. Hein. Merde. Ruse, éclat de roc, forte paume. Ça va, en vrai, il est pas si mal. Pour le coup, il est pas si mal. Bon, de toute façon, on va avancer, on va essayer d'XP un peu quand même, je pense. Il va falloir XP pour le coup. Parce que... Après, Coco, il va y avoir des dresseurs, etc. Donc ils ok. Hein. Je suis un judo crack. Mais au moins, t'es calé en judo. Oh non. Non, 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 et non. Et non, mais je vais... non, non, je suis obligé de fuir. Parce que sinon, je décède, d'accord. Ouais, ouais. Non, mais je vais fuir. Je vais fuir parce qu'il me fait en vrai, il me fait un peu peur, ce judo crack, quoi. Voilà, il avait l'air un peu costaud, balèze et tout. Bah, en vrai, tu sais, c'est normal. Pour des parents, forcément... Putain, mais arrêtez avec judo crack. C'est pour des parents, c'est normal. Tu sais, t'es leur enfant. Mais je pense que s'ils sont OK avec d'autres, il n'y a pas de raison qu'ils soient OK avec toi. Juste forcément, ça prendra du temps et c'est normal. Mais... Oh, mais non, mais Munja, je peux pas. Je peux même pas le tuer, Munja. Faut des attaques super efficaces contre. Juste, ça prendra peut-être un peu de temps et c'est normal. C'est normal, c'est normal. Mais plein de courage, en tout cas, aussi. Mais non, mais il y a que... Mais non, mais c'est des Pokémon que je peux pas tuer. Si, c'est ça, on est d'accord. Nijask et Munja, je peux pas les tuer parce qu'il faut une attaque super efficace parce qu'ils ont un HP. Je crois. Si j'ai pas envie de dire de bêtises, ouais. Oui, quand t'auras... C'est pour ça, Oxy. T'inquiète. Non, attends, ah non, c'est pas ça. Ah, pas Nijask, ok, d'accord. Ok, nickel, j'ai eu peur. C'est que Munja, ok, my bad. Bon, ça va, on va pouvoir XP sur Nijask, alors. C'est ok, c'est ok, j'ai eu peur. Bah du coup, il y a que ça dans cette zone. Il y a que ça, mais c'est pas grave. Ok, on va pouvoir XP un petit peu. L'idéal serait au moins, tu vois, d'avoir les Pokémon level 7-8, quoi. Attends, est-ce que ça, c'est un dresseur ou pas? Non, ok. C'est quelqu'un qui cherche des Pokémon dans les hautes herbes. Très bien. Après, si on peut retomber sur le Latias, ça m'irait bien aussi. Ah, let's go. Saphir, tu lui fais un coucou? Ça aurait pu être toi, malheureusement. On n'a pas eu assez de chance. Mais ça aurait pu être toi. Voilà, parfait. Ça va XP à balle. En vrai, j'avoue, les Latias, ça va donner pas mal d'XP pour le coup. Voilà, le niveau 7. Attends, je vais peut-être monter niveau 8 d'ailleurs. Hein. Oh, l'XP de fou, hein. Bah, mais en vrai, j'aurais tellement aimé. Hein. Parce que franchement, Latias et Latios, c'est genre deux de mes Pokémon légendaires préférés, vraiment. Genre, pour moi, ils sont tellement beaux. C'est tout. Ça marche, bah, à toutes. Du coup, remis à toutes. Demain, RDV à la mission locale pour l'administratif, ça va durer 5 minutes. Bon, au pire, comme ça, tu auras la journée de libre. Ils t'ont dit, c'était pourquoi? Bien, les attaques ténèbres sont super efficaces contre Munja. C'est possible. C'est vrai, je... À chaque fois, je sais... En fait, c'est des Pokémon, je sais même pas c'est quoi leur type. C'est quoi? Il est type... Roche, Munja? Ok, c'est bon. On va y arriver, on va le fumer, c'est ok. Attends, souvenir, c'est quoi? Ok. Bon, elle baisse beaucoup. Bah voilà. NP, c'est pas grave. Ok, du coup, on va monter level 8. On va pouvoir un peu entraîner le judo crack, peut-être. Insecte spectre. Ok. Ok, j'avoue que j'avais pas. Pour le coup, j'avais pas du tout. Après, le judo crack, ça va être compliqué de l'update en level maintenant, tout de suite. Donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Peut-être. Merci, c'est Sushi. Merci beaucoup pour le lurk. En espérant que tu ailles bien, d'ailleurs. By the way. Et coucou Alex, tu vas bien? Ça va, mais ouais, ils sont trop stylés, de fou. De fou, vraiment, ils sont... Tu vois, ils sont doux, classe, subtils, badass. Enfin, ils sont tombés. On dit pas... Non, non, moi je dis pas du mal des Pokémon insectes, non. Moi, dire du mal des Pokémon insectes, c'est mort. Jamais. Je suis pas comme ça, pour le coup. C'est pas... Non, moi je suis pas comme ça.
Attendez, je veux juste attraper la Pokéball en fait. Vas-y, on va faire un test du tout. Chinchidou, je l'aime. En vrai, il est mignon, j'avoue. J'avoue, pour le coup, il est mignon. Hop. Donc là, du coup, ça passe. Ah ouais, ok. C'est intéressant, ça donne de l'XP ou pas? 14 XP! Espèce de rat. Mais non, mais je voulais chercher la Pokéball. Je voulais aller chercher la Pokéball. Oh, Fibloball, ok. Ok, ok. C'est pas si mal pour le coup. Attends, mais il veut vraiment. Non, mais attends. Il veut vraiment. Mais non, mais pourquoi j'ai dit. Mais pourquoi j'ai dit non? Il m'apprend à sauter du rebord. On a quel âge, mon ref? Et coucou, Enaeko. Oui! Tu sais que je l'ai jamais fait. Hé, hey, toi là, dresseur! Moi, c'est Goya! Je suis un dresseur qui veut faire comprendre au monde combien être avec les Pokémon, c'est merveilleux! Ah ouais, ok, lui c'est maître spirituel quoi. Lui c'est même plus sauter des falaises. Là il saute des falaises. Et toi t'es. Oh, Rogue de Pavonet! Oh putain, mais attends, il me stalk! Il me stalk IRL hein. Ton Noctalis c'est un beau Pokémon! Mais tu manques d'expérience, ça se voit. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. D'accord, un peu spécial. En tout cas, moi j'ai jamais fait pour le coup noir et blanc 2, donc j'avoue, je suis content un petit peu de découvrir cet opus là. Alors Rock, comment va ton équipe? Tes Pokémon feront tout leur possible pour toi, alors prends bien soin d'eux. Ma maison est un peu plus loin, si tu veux passer par le centre Pokémon, ne te gêne pas. Ok. On va directement aller voir, bien sûr. Ah, peut-être qu'il va nous demander de se battre, je sais pas. C'est des papiers. Ah, pour avoir les sous-sous du mois. Ah, ok. Bon, bah, ça arrive bientôt alors. C'est par là. On va pouvoir commencer ton entraînement. Non, mais depuis quand il y a ça? Ça y était, ça, sur le 1? Mais au fait, pourquoi t'as deux cartes? Je sais pas. Ah oui, c'est Wisebot, c'est mon pote Wisebot. Ok, donc il faut que j'aille à la route 20 alors. Ok, il faut que je suive le chemin et en gros c'est à la route 20. D'accord. On est bon. Juste 2 secondes, hop. Wep, 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 wep. Attendez, pause. Ils ont. Y a la Zilène qui dit. Ah! Les inscriptions sont closes. Surveillez vos mails. Vous allez sûrement être contacté si vous êtes. Ok. Je laisse mon téléphone là au cas où. Si jamais je reçois un mail, je. Voilà. Super méga bien. Ça fait bizarre. Mais c'est trop bien! Ouais, sois content, justement. Non, mais trop cool, ça va bien. Ça fait plaisir. Tu sais, à mon heure, retourne. Mais ça fait du bien d'en profiter. Tu sais ce que je ressens quand je croise le regard d'un autre dresseur? Et à chaque... Mais c'est comme d'habitude, hein. Ils veulent tous me mettre à terre, là. Alors que c'est des mioches qui ont 12 ans et demi, c'est bon. Pas à nous, pas à nous. Je fais comme... Lui, je me casse les jambes. Avec plaisir. C'est parti. Plaisir. On peut tenter quelque chose. Si vous voulez, on peut faire la descente en rappel avec les cailloux. Oh putain, non mais pas Mamochon. Non mais en fait, à chaque fois qu'il y a un Mamochon, ça me fait peur. Mamochon, vraiment, c'est le Pokémon qui a déjà ruiné ma run, hein. Alors, est-ce que feinte, normalement, ça se... Alors, si j'ai pas d'outils, feinte, normalement, ça se... C'est pas possible d'esquiver, quoi. Putain, éclat glace, ok. Normalement, ça devrait aller, ok. Bon, c'est bon. Ça va. Non, c'est Noir 2. On est... Vous avez le jeu juste au-dessus du jeu. Voilà. Je vous ai mis le petit logo du jeu. C'est vrai que je pourrais rajouter en titre My Bad pour le coup. Coucou Kalia. J'ai vu ton message là. J'ai eu un coup de pression là. Oh, petit Vibroscure là. On est sur combien là? 80-100 en attaque spé. Après la fin c'était pas mal justement. Au pire la clairvoyance on s'en fout quoi. Vas-y. On va laisser ça comme ça. Je sais pas du tout les stats du Noctalie en vrai pour le coup. J'ai vu ce Pokémon, mais en gros il est sorti sur DS. Sorti sur DS, c'est pour ça. Et coucou Logmat, tu vas bien? Ça va bien, écoute. Vraiment, je suis en forme là. J'ai eu un petit moment de mou la fin d'après-midi, pas mal de stress. Mais là, ça va mieux. Oh! Mon Pokémon est adorable, je peux te le montrer? Attends, mais c'est ça, c'est comme ça qu'elle veut me tabasser. Il est adorable! Je te le montre! Tu vas pouvoir le découvrir. Ouais, on le fait en Nuzlocke random, Enaeko. J'essaye un petit peu, tu vois, c'est pour ajouter un peu de difficulté. Parce que c'est vrai que, bon, voilà. Malheureusement, Pokémon, je trouve que ça reste... Je préfère mettre un petit peu de challenge
pour que ce soit en même temps un peu plus drôle. Et après, c'est vrai que j'ai déjà fait le noir et blanc 1, donc j'ai quand même quelques connaissances, mais non plus pas tant que ça, donc on verra bien. Je crois que c'est quoi? C'est une partie de l'histoire qui change entre le 1 et le 2? J'ai pas de souvenir de ça sur le 1. Mais moi non plus, c'est pour ça. C'est peut-être un peu différent, c'est pour ça. Je sais vraiment pas. Voilà, hein, vous avez compris. Tu viens de voir, putain, ça va être stressant d'attendre, ouais, bien sûr. Bah en fait, c'est soit on attend jusqu'à samedi, soit on a un mail. Soit on n'a pas de mail et au moins on est fixé. Non mais je sais pas, peut-être qu'on fera cette Dylan, peut-être pas. On verra bien. On sera fixé assez rapidement et... Bon, de toute façon, quoi qu'il se passe, si on l'a fait, si on l'a fait pas, c'est pas très grave. Je serai content dans les deux cas, je pense. Et puis là, je vis avec un tel qui peut me lâcher à tout moment. Putain, mais non, mais Soul. Et du coup, t'as vu ce que tu voulais t'acheter ou pas? Mais oh, c'est une nouvelle zone! Nouvelle zone! Mais non! Mais putain! Mais... Juste quelqu'un sait comment on screen name sur Twitch, Saphir ou pas? Si tu veux savoir comment on screen name sur Twitch, alors normalement faut aller dans. Si t'es sur PC, tu vas en haut à droite, tu cliques sur ta PP et tu vas dans paramètres. Et normalement tu devrais avoir accès à un moment à un truc pour screen name. On commence dans des villes qu'on a jamais vues dans noir blanc 1. Ok, donc c'est bien logique. Bon alors, qui veut être un super quad d'oiseau? Voilà. Qui veut être un petit quad d'oiseau, les amis? Attention, hein. Et vous bousculez pas pour le quad d'oiseau, hein. Vous bousculez pas du tout pour le quad d'oiseau, hein. La Zilane avec Cohen et Louini, non. Non, non, en vrai, déjà, je pense pas qu'elles étaient déterminées pour le faire. Non, non, du coup, on s'est inscrit avec Alia et Ribosome, donc on verra. On verra, est-ce que les stats passeront? Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Je pense pas, honnêtement. Donc, ça sera plus du tirage au sort. On verra bien Logmat. Je te dirai. De toute façon, vous saurez très rapidement pour le coup. Parce que je pense que je le crierai sur un peu tous les toits. Toute l'histoire change en soi. Ça se passe 2 ans après les événements. Oh, ok, d'accord. Trop bien en vrai. Pour le coup, trop bien. En vrai, j'ai hâte parce que l'histoire du 1, en vrai, j'avais bien kiffé. Pour le coup, j'avais bien kiffé. Ok, alors on a 2 Pokéballs et une Fébobol. Vas-y, on va tester. Espérons que ça passe. Qui veut être. Tu veux. Agito qui sacrifie, attends, on l'a pas. Putain de merde. Hop là. Allez. On change de Pokémon. Voilà, hein, on. Ouais. Le canoiseau qui nous met à l'amende. C'est ça, c'est ça comme dit Kalia. On charbonne cette année, et l'année pro, ça le fera. Après, c'est que j'avoue que j'étais content quand même pour les jeux. Mais donc voilà, on verra. Dans tous les cas, j'avoue que je me prends pas la tête. Si je suis pris, let's go. Si je suis pas pris, NP. C'est ça, comme vous dites. Vous savez, dans la vie, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Évidemment, forcément, on peut pas y avoir accès. Mais justement, bah, quelques années après ou quelques mois après du travail, bah, peut-être que ça me sera reproposé, peut-être. Donc, on verra bien. Bon, à tout moment, on peut pas le capturer. Oh mince, on ne peut pas capturer 4 oiseaux. Ah oh, bah voilà. On peut pas le capturer, tant pis, my bad. Putain, il avait Aéroblast. Putain, en vrai, j'aurais... Ouais, ça aurait été pas mal, hein. Petit Aéroblast 4 oiseaux, là. Ça aurait été pas si mal. Ils envoient le mail ce soir. Ok, c'est bon, c'est parti pour tuer du cul. Et du coup, tu l'avais bien aimé ou pas, Noir et Blanc 2 et Naeko? Le 4 oiseaux, le Pokémon Père Noël. En vrai, il est très mignon, hein. Mais en termes de charisme, c'est un... Merde, on va fuir. C'est un peu un zéro pointé, quoi, quatre oiseaux. Putain. Mais j'aurais pu avoir Junko. Oh non, j'ai giga le seum. Junko qui est genre... Gotesque. Oh, j'ai le seum. C'est bon, je vais aller me mettre en boule dans un coin et je vais aller pleurer. C'est vrai que ça me dit tellement rien, cette ville. Cette ville me dit vraiment, vraiment rien. Mais oui, on a raté. On aurait pu avoir Junko. Alors, du coup, il faut que j'achète quand même des Pokéballs. Parce qu'on n'a plus du tout de Pokéballs pour le coup. Hein. Un 15 Pro Max, prenez mon argent Apple. T'as trouvé pour pas trop cher ou pas, Lolo?
Mais ouais, c'est ça. Si c'est pas cette Zidane, ce sera une prochaine, c'est ça. Non, non, on perd jamais Saphir. Saphir, on ne perdra jamais. Ah, moi, je vous le dis, je me bats corps et âme pour vous garder. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis, hein, malheureusement. Mais moi, je me bats corps et âme pour vous, ok? Pour vous garder dans la team. Mais Logma Junko, il est badass de fou! Il connaît Piqué de puissance 140. Il m'a fracassé avec ça. Allez, hop, on s'en achète quoi? Je vais peut-être m'acheter... genre quelques potions au cas où. Tu sais, au cas où il y a un drift ou quoi. Je préfère m'acheter, ouais, deux petites potions. Juste pour safe. On va dire ça comme ça. Mais il y en a beaucoup qui l'ont fait ou pas, Noir et Blanc 2. Juste pour savoir. Si vous avez préféré le 1 ou le 2. J'ai pris ma place pour la finale, je serai en vacances, j'y vais quand même, ok. Moi j'avoue que, en vrai, pour une journée, je me tape pas trop la déterre d'aller à Montpellier, pour le coup. J'y serais bien allé, en vrai, si c'était peut-être un peu plus longtemps, mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, une journée, ça picote un petit peu ouais, parce que de payer le prix de la place, plus tout le reste. Puis me la fatigue, parce que c'est loin, hein, c'est pas la porte à côté, en vrai. Attends, le ranch d'Ama... Mais il y a un ranch. Attendez, c'est les cow-boys. Ok, alors non, pas ici. Il est où, mon pote, là? Attends, il y en a un que je dois... Alors, attendez. Faut que j'aille le retrouver, par contre. Alors, peut-être qu'il faut aller en haut. Non, pas ici. Ah, il faut aller au ranch. Comment ça? Tu veux continuer alors que tu n'as pas un seul badge? Les enfants, quelle inconscience de nos jours. D'accord. D'accord, papa. le mec est en train de me bully, hein. Il y a rien à dire. Attends, mais du coup, c'est ici qu'il est, le monsieur? Pas du tout. Attends, on est dans une ferme, là. C'est quoi ce foutage de gueule? Il doit y avoir juste des écrémeux. Ah, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un ranch? Super! Je suis venu pour m'entraîner. On va pouvoir vérifier lequel de nous est le plus fort. Encore? Mais pourquoi on se rebat, mon ref? Mais comment ça, on se rebat? Attendez, Wazebot, il doit en découdre. Hein. Ah, je vous dis, il doit en découdre. Je suis une giga méga fan de la 5G et de ses opus. Donc oui, j'ai beaucoup aimé le deuxième aussi. Le premier top 1 dans mon... Kokoro à jamais, ok. Je peux comprendre. Je peux totalement comprendre pour le coup. Moi c'est vrai que j'ai... je trouve qu'en fait, je pense que la 5G est un peu sous-côté. Après j'étais dans la phase où je grandissais pas mal. Et donc c'est vrai que j'ai pas pris autant de temps, tu vois, de kiffer, je pense. Bon, on devrait normalement l'exploser. Je sais pas s'il a deux Pokémon ou pas. Non, il en a qu'un seul. Et oui, il veut tout le temps Smarav. Vraiment, j'ai à peine avancé, j'ai même pas un badge, il veut encore Smarav. Ah, ranch, il gagne une nouvelle zone. Oh, ok. Donc ça veut dire qu'on peut attraper un autre Pokémon. Est-ce qu'il y a des hautes herbes dans le ranch? On verra. Oui, le rival s'appelle Wisebot. C'était une très bonne idée. Vraiment, j'adore. Et toi, pourquoi t'es là au fait? Quoi, une carte? C'est à cause de ma frangine, tout ça, hein. Bah merci, ça va m'aider, je le sens. Oula, qu'est-ce qu'ils veulent, eux, là? Attends, on va se faire regarder parce qu'on a fait trop de... Ah, tout ce bruit, c'était un combat, les Pokémon, évidemment. Ok. Vous êtes qui? Je suis qui? Ah, elle est bien bonne. Propriétaire du ranch, pardi. Jean-Pierre Izan, JP pour les intimes. Et voici mon épouse. Après ce combat bien épuisant, il faut soigner, n'est-ce pas? Attends, on est là, on a fait le bordel dans leur ranch. Et ils sont là, trop gentils et tout, et... D'accord, on a un plaisir. Ouais, merci, ça fait plaisir. J'ai enfin acheté les 3 tomes Pokémon Noir et Blanc, me tarde de les dévorer. J'avoue que j'ai jamais lu les mangas Pokémon, il faudrait que je m'y mette. Parce qu'apparemment ils sont beaucoup plus adultes que le reste. Donc why not? Je vais acheter un truc tout neuf, ouais, neuf, donc forcément ouais. Je vois un botel et comme c'est le premier que je vais m'acheter, autant avoir le dernier qui est sorti. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après t'as des bonnes affaires, moi j'avais trouvé là le... J'hésitais, il y avait le 15 à... Enfin, le 15, je crois, à 700 euros. J'ai vu sur Internet, donc... faut voir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, on lui a mis la misère. On l'a balayé en 2-2. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a aucun souci pour ça. Pour le 3, il manquait que celui-là. Bah après, sinon, tu commandes sur Internet, en vrai. Commandez sur... En vrai, si vous trouvez pas, soit sinon, moi, ce que je fais à chaque fois, si jamais il n'y a pas en rayon, je demande et souvent, ils me le commandent, en fait. Voilà. Ou sinon, je commande moi-même sur Internet. Et qu'est-ce qui me... Arrêtez! Le punchien! Tu crois qu'il est parti encore plus loin? Bah! D'accord. Mais chelou, hein. Ok, bon, les amis, qui veut être le Pokémon du ranch? Qui veut être le Pokémon du ranch, les amis, hein? Leur petit jeu de mots bien nul. Mais ils ont un peu du... Après, tu sais, c'est des...
des papis de la campagne, tu sais, hein, malheureusement. J'en avais jamais lu avant de tomber amoureuse de N. Ouais, de la 5G. Ah, la 5G, ouais, ouais. N, non. Hein. Ouais, j'avoue, N, putain, il est quand même stylé. Hein. Ils ont fait quand même un personnage un petit peu charismatique, pour le coup. C'était incroyable. Bah, en fait, même, je pense que, overall, tous les mangas Pokémon sont vraiment incroyables. Mais parce qu'en fait, c'est quand même ciblé pour un public beaucoup plus adulte. De ce que j'ai compris, les Pokémon, ils peuvent vraiment mourir dans le manga, je crois, de ce que j'ai compris. Donc... Il faudra que je me motive en tout cas à aller lire tout ça. C'est vrai, du coup, Agito, t'as pas eu ton Pokémon. J'avoue, bah c'est parti, Agito, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, après, pour le prochain alors. Celui d'après, boule pollen, t'inquiète. Attends, il s'est passé quoi? Ok, je... Oh, j'ai eu si peur. Non, mais j'ai eu super peur, j'ai cru qu'il avait mis au KO là. Si je regardais pas, tu sais, donc bon. Et pourquoi il a glaciation là, lui, frère? Alors, glaciation, c'est une attaque qui, dès qu'elle touche, elle one shot, d'accord? Y a pas débat. Est-ce que. Pourquoi il a glaciation là, ce con là? Mais comment ça? Bon bah, Saphir. Saphir, je suis. Hey, Saphir, je suis désolé. Saphir, je suis désolé, ok? Mais Saphir, il avait glaciation! Pourquoi il a glaciation? On vit dans quel monde? Putain, du coup je suis dépité. Hein. Je suis dépité, mais t'inquiète pas. Promis, dans la run, t'auras un Saphir 2. Promis. Promis. Je te fais la promesse, solennelle et sincère, qu'il y aura un Saphir 2. Un simple dessin animé basique de gamin et faire des versions plus adultes. Bah en vrai, je pense que le dessin animé, en vrai, juste de base, quand tu vois les gens qui consomment des dessins animés et quand les gens qui consomment des mangas. Bah, je trouve que t'as quand même beaucoup plus de gens, tu vois, adultes qui consomment des mangas que d'adultes qui consomment des dessins animés. Je pense. Donc peut-être pour ça. Et surtout, je sais pas si vraiment ça... Le manga n'a pas de lien avec le dessin animé, pour le coup, aussi. Ok. Bon, bah, Agito, tu seras un... C'est Vipère! Let's go. Est-ce que je me fais tabasser la gueule ou pas? Non, s'il te plaît, tombe pas. Non, pas de poison. Ok. Ok, nickel. Pas de poison. Ok, nickel. Bon bah c'est pas grave, hein. On aura galéré quand même, hein. Mais du coup, ouais, rip Saphir et bienvenue à Guito. Wouh! N, il est méchant de noir et blanc, sauf à la fin où il devient gentil. En fait, le boss, il se fait manipuler par Gettys. Qui est vraiment un horrible personnage. On voit dans l'épisode Rainbow Rocket dans un Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Ah ouais, merde. Désolé, je disais merde parce que... Putain, bon, en vrai, ça passe, là. Je peux m'en envoyer une autre. J'espère. S'il vous plaît, dites-moi que ça passe. Ça va... S'il te plaît. Non, mais c'est Vipère, fait... Oui, c'est bon. Let's go. Et moi je pensais que N il a toujours été gentil. Non, en vrai, dans ma tête, N ça a toujours été un bon gars. Hein. N dans ma tête c'était le gars sûr quoi. Ça te va du coup à Guito ou pas? Ça va un petit sévipère et c'est ok. C'est ok. Ouais, une minute de silence pour Saphir. Saphir, sache que même si ton Pokémon était peut-être pas le plus esthétique, bah on l'aimait bien quand même quoi. Après, quand même, c'était judo crack, quoi. Parfait! Nickel! Bah, oui, ça va, petit sévipère. Hein. N n'est pas méchant. Non, oui, non, mais bien sûr. Mais N, tu vois, c'est un peu comme. Comme l'Aikagami, quoi. Je le vois un peu pareil. Tu vois, est-ce que. C'est un peu compliqué de. Après, tu sais, on est dans un jeu vidéo, donc. Pour moi, tout est un peu tout beau, tout rose et. Attends, parce que N, il est en mode, ouais, la liberté des Pokémon, machin, non? C'est un délire comme ça, je crois, de philosophie de vie. Parce qu'attendez, ce rouge, je dis que de la merde. Parce que là, je vous dis mes souvenirs qui datent de... C'est quoi? C'est 2012, noir et blanc 1? Qui datent de 12 ans. Voilà, des souvenirs qui datent de 12 ans.
C'est ça. T'auras un autre Pokémon, Saphir. T'auras un autre Pokémon. Ça va le faire, on y croit. Et coucou Amy, tu vas bien? Coucou à toi. Des idées inculquées par son daron toxique, mais en voyageant parmi les hommes, il apprend la vérité sur l'amour que les humains peuvent apporter aux Pokémon. Alors, je crois que j'ai plus aucune idée alors de ce que c'est. Bon, no joke, je pense que je n'ai plus du tout d'idée de l'histoire, en fait, de Noir et Blanc. Voilà. Ça fait 12 ans, ce mois dans ma tête, ouais, N, c'était genre un peu le mec un peu solitaire, mais vas-y, qui sauve tout le monde à la fin, J'avoue que j'ai plus trop de souvenirs de tout ça. Ok, alors du coup, bah, on dit bye bye déjà à Judo Crack, voilà. Premier épisode déjà à mort. Mais on dit quand même bonjour à ses vipères. Ça fait plaisir. Pour le coup, en vrai, ça fait plaisir. Il nous a donné des thunes ou pas? Attends, on va racheter des Pokéballs. Ok, on a quelques thunes, on va acheter des Pokéballs. On va acheter des petites Pokéballs. Les Pokémon, car ils pensent qu'ils sont exploités les... Ah, par les dresseurs, ok. Ouais, ouais. Après, je pense, tu vois, c'est ça, en fait, c'est le bug, il est pas méchant au fond, mais il est un petit peu con-con quand même, quoi. Il fait beau... Oh, trop bien, t'as profité un petit peu du soleil ou pas, Amy? Attends, Bah, du coup, en vrai, on va pouvoir lui parler à lui, non? Je crois. Ah non, ok, il faut... Ah, mais oui, parce que... Ok. Je lui ai pas encore donné la carte. Ok. Attends, on va retourner au ranch. On va retourner au ranch. Pour chevaucher les chevaux. Alors, je sais pas pourquoi il y a un accent québécois qui s'est placé par là. Mais c'est rien. Bon app, Saphir. Attends, du coup, faut que j'aille récupérer le pochier. Attends, mais du coup, il est grand, ce rendre sérieux. Attends, mais il est... Attends, ok, on va devoir faire tout le ranch et on devrait voir ça. On va y arriver, on va rattraper ce ponchin, vous inquiétez pas. Pokémon maltraité, il peut parler et comprendre les Pokémon aussi. Donc il y a une image biaisée des dresseurs. Ce pourquoi il veut les libérer, ok. Mais derrière, au fond, après il comprend que ça va, parce que grâce à nous, nous on est là parce qu'on adore nos Pokémon, on les aime plus que tout. Donc ouais, au moins il comprend. Tu vois, c'est pas le con qui change pas d'avis. Tout de même, le seul méchant qui veut tuer le joueur en dirigeant son sceptre contre lui. Putain, j'avais pas de souvenir de ça. Putain, mais c'était vraiment ça, le 1 Noir et Blanc 2, ok. Bon, attends, du coup, je vais voir, parce que du coup, j'ai pas suivi. Donc, je vais... Dans tous les cas, en vrai, je vais redécouvrir ça par moi-même, dans tous les cas, je pense. Mais c'est fou, en vrai. Hein. Tu montes ça à des gosses? Merde. Est-ce que... Parce qu'il est type... combat. Bon, normalement, ça devrait passer... Tant que je suis pas paralysé, ça va. Non, ça va. C'est tant que je suis pas paralysé. C'est quoi ça? C'était quoi cette merde? Attendez, ça m'a fait extrêmement peur. Attendez, mais là, son Beto Chef, il m'a fait super peur. Mais what the fuck? Où il avait un Beto Chef, ouais. Beto Chef qui, pour moi, est un Pokémon quand même bien badass. Voilà. Vraiment, Beto Chef est stylé. Hein. Je me suis baladé tout l'après-midi. Bel accent... Non mais j'ai... T'as kiffé ou pas l'accent québécois? Je sais pas, il est sorti comme ça, là, random, j'ai pas compris. Non mais vous savez, c'est... Ouais, c'est moi, hein, il y a des moments... C'est Mickey qui arrive, qui pop comme ça, c'est... ouais. J'aime bien. Tu le fais bien... tu le fais bien, l'accent québécois. Non, je le fais très mal, en vrai, je le fais très très mal, et c'est... Non, je le ferai pas du tout, ouais. Ah, j'ai pas dit qu'il était bien fait, ok. Ouais, tu te posais juste la question. Non, mais je le trouve un peu mal fait, c'est pour ça que je vais peut-être pas le refaire. Parce que je veux pas que les gens le prennent comme une insulte, quoi. Voilà. Non, vraiment, je trouve qu'il est un peu... C'est le truc qui se travaille, mais bon, c'est trop dur. C'est trop dur. Oui. Mais c'est vrai que du coup, j'ai aucun... Là, tu vois, dans ma tête, c'est absolument pas du tout le 1, ouais. C'est bien ça. On est absolument pas du tout sur le 1. Parce que le 1, on commence et en fait, tu vas directement à la première ville en soi. Désolé, je regarde mon téléphone au cas où je reçois un mail. Genre le 1, tu sais, tu vas directement à la première ville où justement vous avez, vous savez, les trois dresseurs d'arène là, qui ont tous leur couleur de cheveux atypique. Heureuse, regarde. Je dirais qu'il est à travailler, c'est ça.
Bah, c'est un peu ça, tu vois. Mickey, c'est ok. Scooby, vas-y, ça va. Et ouais, il y a des choses à travailler. Mais je m'améliorerai, vous inquiétez pas. Je m'améliorerai. Ça devrait le faire. Pip, 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 pip. Attendez, juste deux secondes. Hop. Ok, parfait. Alors, du coup, où est-ce qu'on va? Parce qu'on est censé chercher un pont chien, là, non? Waf! Non, mais c'est lui qui dit ça ou pas, là? Et déjà, d'où un chien, il fait poif? Ah, parce que c'est un pont chien. Attends, oh, il s'est fait... Bah oui, il s'est fait en irlandais. Bon, oh, attendez, attendez, on va fausse alerte, ils ont refait le tweet. Ils parlaient des califs. Eh, tu... hein? Cali, arrête de nous... Voilà. Eh, tu me mets la pression. Heureux, le Jax. Heureux. Mais non, j'ai pas laissé Saphir mourir. Oh non, non, non. Eh, j'ai pas laissé Saphir mourir. Alors, allez voir l'attaque glaciation. C'est la chatte. Je suis désolé, on est sur une attaque qui a 30% de chance de toucher et qui one-shot. Ah oui, parce que du coup, c'est un ponchin, du coup, il fait poif. Normal. Je vais pas tenir. Ouais, non, mais moi non plus. Hein. Non, mais c'est avant les califs. C'est avant les califs, Kalia. C'est avant les qualifs qu'on sait si on est qualifié. Voilà, déjà. Tu connais la team Plasma? Ouais, c'est des connards. Nous tentons de conquérir Unis pour leur cause il y a 2 ans. Mais les faibles esprits ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quelle poisse. En poursuivant ce ponchin, je me retrouve dans ce trou perdu. Et maintenant, Mioche m'a découvert. C'est ta faute, tout ce qui m'arrive, il n'y a pas 36 solutions. Tiens! Quoi? Attends, mais comment ça? Quoi? Mais attends, mais comment ça, il me... Pouaf, pouaf. C'est avant, mais le tirage au sort, c'est après. Ah non, c'est d'abord les stats, puis le tirage au sort, puis les qualifs, en gros. Wep, wep, wep. Enfin, je crois, à moins qu'ils aient dit autrement, mais normalement, les autres années, c'était comme ça. Ils s'est fait coincer dans un cul-de-sac, le pauvre ponchien. Donc, il s'est pas coincé dans un cul. Ça va. Et en vrai, il est mignon. Eh, ponchien, en vrai, c'est mimes, hein. Bon, en vrai, poncho, c'est mignon. Ponchien, ça va. Et Mastouf, c'est un peu dégueulasse, quoi. Voilà. Il mériterait d'aller faire un petit tour chez le... Chez le... Ouais. Chez le machin, là, le... C'est-à-dire le vétérinaire des poils. Voilà, le coiffeur pour animaux, vous avez compris, hein. Non mais ça va, c'est... Non mais à vous, c'est pas à vous si vous avez pensé à... Si vous avez pensé à Ponchin qui soince la tête dans un cul, hein. Mais il est mignon, en vrai, un peu Ponchin. Mais oui, il a besoin... C'est ça, il a besoin d'un coup d'aller... Voilà, un petit coup chez le toiletteur, quoi. Non, je préfère que tu... Logmat, je vais découvrir ça par moi-même, je pense. Ce sera plus... plus simple. Non mais vous êtes là, vous défoncez Poncha, le pauvre là. Déjà il a la tête dans un cul. Si en plus de ça vous êtes méchant avec lui, non. Non, moi je suis pas d'accord. Mais regardez comment ils sont trop mignons là, les deux petits chiens. Du coup il me remercie ou pas, hein? Ok, bon, il faut aller revoir Goya du coup. On va aller voir Goya le sensei. Faites gaffe, hein. Prochaine personne qui dit du mal de Ponchin, je la banne. Merde. Oh, t'as pu donner sa carte à ton ami. Mais dis donc, la dernière fois remonte à il y a pas 3 secondes. Et pourtant, ton équipe et toi avaient énormément changé et appris. Bon, pas d'entraînement pour vous en fin de compte. À la place, vous voulez me rendre un petit service. D'accord, l'esclavage. Super. Non mais super, hein. Team Chacripant. Je veux pas. Attends, je vais juste aller me heal vite fait en 2-2. Et comme ça sera parfait. Alors du coup là on est d'accord, on a que ouais, on a que 2 Pokémon. On a Sévipère et ok. Le Sévipère, j'ai l'XP après, je pense. Faudra que je fasse aussi Ultra Soleil, Ultra Lune d'ailleurs, by the way. Parce que c'est aussi le seul que je n'ai pas fait à côté de ça. D'abonner ses Pokémon contre la vie de Lily. Ok.
Ah, c'est tellement dur en vrai, hein. Pokémon, ça... Non, mais Pokémon, ça a géchant, hein. Mais tu vois, alors que maintenant, c'est redevenu bah, beaucoup plus enfantin, pour le coup, hein. Pokémon, maintenant, enfin, même si, ok, t'as peut-être la Team Star, c'est intéressant. Enfin, tu sais, c'est l'histoire un peu de gens harcelés qui sont regroupés pour, derrière, former un espèce de collectif. Mais c'est vrai qu'avant, c'était quand même beaucoup plus sombre, hein. C'est quand même bien plus sombre. Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on doit entraîner. Mais ça a l'air d'être un des sœurs super balèzes. Je n'en doute pas, même en perdant, on apprend. Ah, je vais devoir les battre. Ok, en fait, c'est l'école des dresseurs. Mais je vais les fumer avec le Noctalia. Hein. Alors, je vais les détruire avec le Noctalia, pas de soucis avec ça. Non, non, je vous le dis. Hein. Chaque clipant, bof. Chaque clipant, ça me... bof. Vraiment pas, pour le coup. En fait, pour moi, chaque clipant et Léopardus, c'est Skitty et Delcati, quoi. Juste en remasterisé. Vraiment. C'est pour ça que je ne pourrais pas apporter d'affection à un Chakripant. Ok, donc niveau 13. On apprend punition. Alors c'est quoi ça, punition? Plus l'ennemi a utilisé des augmentations de stats. Bon, vas-y, ça sert à rien. Hop. C'est trop random. Oui, non, mais je veux... ok, garder les anciennes capacités. Oui, abandonner. On est bon, c'est pas grave. Bon, niveau 13 déjà, en vrai, Noctali, là. Hop, ok. Bon, c'est vraiment l'école des dresseurs low cost, quoi. Hein. Ah, il me heal entre chaque combat. Mais le GOAT. Léopardus. Moi, Léopardus, moi je dis c'est Delcati de Wish. Justement. Super, pour moi. Et merci beaucoup, Yunali. Merci beaucoup pour le 4e mois de T3. Ouais, mais j'ai merci. C'est gentil, merci beaucoup, Yunali. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Parce que grâce à vous, là. Bon, du coup, on est passé à 113. Enfin, du coup, ouais, aujourd'hui, on est passé à 113. Vous êtes trop fort. Vous êtes beaucoup trop fort. Comment tu vas, Yunali? Coucou à toi. Bon, on les a... C'est des mioches, après tout. Hein. Une balayette et au lit. Hein. Il n'y a pas vraiment de plaisir à les combattre. Hein. Le type, c'est très important, pas vrai? Mais, non, mais ça va, je suis pas non plus un noob, hein. Ah, c'est fou, hein. Tu vois, et c'est pour ça. C'est pour ça que pour moi, Pokémon, il devrait mettre, tu vois, mode de jeu. Tu mets mode de jeu débutant, ou mode de jeu intermédiaire, ou mode de jeu expert. Tu vois, et qu'on n'est pas ce blabla nul. Oula, c'est qui lui, là? Bonjour, je sais, nous ne connaissons pas. Tout cela est très soudain. Mais prends ceci sans rien dire. Mais c'est qui lui, frère? Reçoit le B médaille. D'accord. Boîte de médailles. D'accord. Je demande à tout hasard. Où as-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Non, c'est quoi? Vraiment? Allez, laissez-moi t'expliquer, ça me fait tellement plaisir. En plus, c'est une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter de prendre part, vois donc une première médaille. Mais c'est quoi cette merde? Du coup, ça va. Parce que j'ai vu Yunali là que t'avais supprimé le stream. Ça va mieux ou pas ton œil? Et courage avec ces foutues lentilles. Hein. Courage. Ouais, j'ai vu justement, j'ai vu ta story. J'ai vu. Mais genre vénère un peu? J'ai courage, en tout cas, j'espère que ça va aller mieux. J'avoue que ça peut. Ouais, ça peut vite faire mal quoi. J'avoue que j'ai les lentilles, en vrai ça va. Mais parce que j'ai pas les ongles longs. Ceci explique cela. Quoi? Attends, il y a une nouvelle arène chez moi? Oh putain! Ok, on va devoir y aller. Alors, par contre, du coup, ok. Donc, ce sera le premier badge. Alors, je vais voir si j'ai pas d'autres zones aux alentours, en vrai. Et dans blanc 2, le mode assisté? Le mode challenge, le mode assisté? Et du coup, ça... En vrai, tu vois, c'est ça qui est un peu con, c'est que ça n'a aucun sens de le faire débloquer à la fin. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore, là? Mais regardez comment il flex, là, Goku de Wish. J'avais oublié quelque chose d'important. Oh les B.O. rang, oh le GOAT. Attends, mais c'est random ça aussi? Ok, il m'a donné des petites B.O. rang quoi, le GOAT. Hein. Un truc de dresseur aussi. Si tu fais tenir une baie à Pokémon, il sera capable d'utiliser tout seul pendant le combat s'il est affaibli. Ok, pas de soucis. J'espère que ça ira mieux, Yunali en tout cas. J'espère.
Ouais, c'est boule pollen normalement, ouais. Là, on est sur boule pollen. Après, tu me dis boule, tu me dis. Si tu préfères, si tu préfères que ça soit... Parce que comme ça, on va pouvoir faire boule poll 3. Bon, c'est bon, hein, arrête ton blabla, c'est bon, là, en mode... Oui, les Pokémon qui grandiront ensemble. Putain, c'est mon frère. Alors, du coup, il faudrait que j'aille... je pense que je vais quand même un peu entraîner le... À Guito, je vais un peu t'entraîner, je pense, quand même, en 2-2. Pour gagner au moins un poil d'XP, ce serait pas mal. Ouais, ici, je pense qu'on va pouvoir entraîner un petit peu. Bon, ça dépend contre quel poké, je pense. Mais oui, c'est juste son kiff, mais trop bizarre, hein. Comment ça, ton kiff, c'est sauter des falaises, là? Genre, il n'y a pas de souci vis-à-vis des chevilles, quoi. Moi, je fais ça, je finis à terre. Alors, on peut faire quoi? Putain, il a des bonnes attaques, hein, pour le coup, hein. Putain, Agito, t'as des bonnes attaques, hein. Fait plaisir, hein. Je vais peut-être pas dû faire ça parce qu'il est type poison. Ah non, il est pas type poison, il est type juste insecte. Je pensais qu'il était insecte poison. Donc ça va, c'est juste ultra chiant car c'est gênant vu qu'à chaque fois que je bouge l'œil ou la paupière, ouais, ça frotte et ça fait mal. Mais du coup, c'est vraiment ouvert ou pas? Je sais pas si ça met longtemps à un peu, entre guillemets, cicatriser l'œil. Chinchidou, il est mignon. Oui, il est mignon, Chinchidou. Chinchidou, ça va, c'est ok. C'est, franchement, c'est ok, Chinchidou. Moi, ça, je trouve ça mimes. Et Emolga aussi. J'ai vu passer Emolga, mais Emolga aussi est pas mal. Bon, on va essayer de se faire un peu d'XP. J'aimerais au moins le monter niveau 8. Franchement, ça serait cool. On puisse peut-être l'utiliser justement durant l'arène. Je me dis, ça peut être un petit banger, quoi. Parce que vraiment, franchement, avec toutes les attaques qu'il a... Est-ce que... Attends, assurance, c'est une attaque ou pas? Je sais pas du tout si assurance, c'est une attaque. Je sais plus. On va tester ça. Oui, ok, c'est une attaque. Très bien. Bon, c'est juste du petit griffure en plus. Et l'ophtalmo m'a dit que ça irait mieux. Mais en vrai, ouais, tu mets des gouttes pour les yeux. Putain. Ça me fume parce que la dernière personne à qui j'ai fait ça, c'était Spook. Hein. Parce que c'était Spook, je sais pas pourquoi. Tu sais, il commençait à avoir l'œil rouge, etc. C'est l'œil fermier, à la limite de pleurer et tout. Du coup, j'appelle le veto en panique. Tu sais, en mode, oui, Spook et tout, machin. Du coup, il m'a dit, ouais, il a sûrement dû avoir une poussière dans l'œil. Et du coup, j'ai dû l'enrouler dans le plaid, comme un sushi. Et du coup, tu sais, je devais lui ouvrir pour lui mettre les petites gouttes. Mais du coup, bah, du coup, en même temps, ça me fait trop de la peine. En même temps, c'était trop mignon. Il était là comme ça, tel un petit sushi en mode « Papa, qu'est-ce que tu branles ?» Du coup, j'étais avec les petites gouttes comme ça, là, pour les foutre dans l'œil. Non, ouais, En vrai, l'œil est assez sensible pour le coup. Après, moi, ça va. Mais... Putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Moi, ça va parce que j'ai pas les ongles trop longs, donc j'avoue que ça arrive très peu. Le pauvre, ouais. Le pauvre, ouais. Ouais, ça va, je pense qu'il a vécu... Oh, il a vécu pire. Non, en vrai, ça va. Ouais, mais j'avoue que je me suis inquiété un peu beaucoup. À ce moment-là, ok, là c'est Latios. Attends, à chaque fois je me trompe. Ouais, Latias, ok. Moi c'est Latios que je préfère. Et Molga, c'est un de mes préfs de 5MG. Moi j'avoue que je sais pas. Mon Pokémon préf de 5G, je dirais que c'est Darumacho. Alors, oh, j'ai eu si peur. Je confonds avec une autre attaque qui enlève 40 PV. Genre, alors, n'y voyez rien du tout, hein. Darumacho, voilà. Juste parce que je trouve, je sais pas. Darumaron, Darumacho, je trouve ça vraiment stylé, pour le coup. Est-ce que je... Il n'y a pas un... Il n'y a pas le que... Non. Ok, ça passe, c'est bon. Ça passe. Du coup, on va pouvoir passer level 8. 8 ennemis, peut-être. C'est la première fois en 8 ans. Mais ouais, putain, 8 ans. 8 ans que t'as des lentilles? Moi, je sais pas quand c'était. Je les ai eu au lycée, mes lentilles, je crois. Et en vrai, j'avoue que c'était le... Moi, pour moi, c'était mon meilleur move, en vrai, les lentilles. Genre, il y a des moments, c'est un peu chiant, donc j'hésite encore, entre guillemets, à peut-être passer à l'opération. Mais c'est vrai que les lentilles, ça a été un plutôt bon move, en vrai. J'ai bien kiffé, pour le coup, les lentilles. Tu te prends un peu moins la tête. Putain, mais c'est qui, lui? Et pourquoi il est encore là, le mec avec ses médailles, là? Ouais, quand j'ai commencé à taf. C'était vraiment pour que ce soit moins gênant les lunettes, on va dire. Moi, en vrai, c'était plus... En fait, moi, de mon côté, c'était plus parce qu'à une époque, c'était l'époque lycée, j'avais pas non plus des masses confiance en moi. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de tester les lentilles, ça va, mon œil supportait. Donc c'est vrai qu'au final, je les ai très rapidement adaptés, quoi. Adoptés. Ouais, adoptés, pardon. Félicitations, voici une nouvelle médaille! Ok.
D'accord, donc en fait, on a une espèce de sac de médailles. On dirait Kevin quand il faisait du foot et qu'il était attaquant droit. Je rigole, bien sûr, je rigole. Y a pas de... Mais ouais. Du coup, c'est vrai que j'avais pas confiance de mon... Enfin, j'avais pas vraiment confiance en moi. Et du coup, c'est aussi pour ça, parce que j'aimais pas ma tête avec les lunettes. J'arrivais pas du tout... Tu vois, je les partais pas forcément en public. Et du coup, c'est vrai que bah, on m'a proposé les lentilles et j'avoue que je suis parti un peu à fond dedans, quoi. Je me demande juste pourquoi la catégorie c'est Scarlet et Violette alors que tu en... Alors, en gros, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. C'est que, en fait, sur Pokémon, très bizarre aussi, pareil, il y a une espèce de loi qui régit. Et en gros, pour tout ce qui est, tu vois, défi, shiny hunting, etc., en gros, tu te mets sur la dernière catégorie du dernier jeu qui est sorti. Voilà. Et puis aussi, en même temps, c'est comme ça. En fait, c'est parce que c'est très con. T'as tellement de jeux Pokémon, mais t'as pas au final tant de joueurs Pokémon que ça. Donc, bah, c'est vrai que autant, tu vois, rassembler tout le monde au même endroit. C'est pour ça. Voilà. Oh, acupression. Oh, ça, c'est banger quand même. Enfin, attendez, on va voir. 50, taux de critique élevé. Mais attends, je suis plus en spé ou en... Je pense qu'on... On peut empoisonner. Ah mais non, mais c'est mieux le la queue poison. Ouais, c'est mieux la queue poison. Ok, on va garder ça. Voilà, en gros, c'est pour ça. Et aussi, en même temps, tu vois, en termes de visibilité, ça reste beaucoup mieux, quoi. Tu peux te faire découvrir par des personnes qui, justement, jouent à Pokémon, mais ils disent pas, ok, je vais checker la catégorie noir et blanc 2, quoi. Et c'est ça aussi qui, enfin, je trouve, est un peu dommage sur Twitch. C'est, tu vois, toutes ces catégories qui sont vides alors qu'elles pouvaient être remplies, tu vois, au lieu de mettre, je sais pas, tu vois, tous les Zelda en séparé, tu vois, tu pourrais mettre, je sais pas, au moins tous les Zelda rétro ensemble, parce que, bah, va trouver un mec qui joue à Zelda Link of the Past ou à... Enfin... T'as très peu de chances de trouver quelqu'un dans la catégorie parce que, bah, voilà, c'est assez souvent vide, pour le coup. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu aussi pour ça que c'est fait. Voilà. Et si, au final, je suis content parce que je trouve que ça, c'est un peu plus smart de faire ça. Je sais pas si c'est très compréhensible. Hein. Et re, Chrismar, t'inquiète. Pas de soucis, y'a pas de soucis, t'en fais pas. T'avais besoin, écoute, t'avais besoin de repos. Attends, du coup, on est passé level combien, là? Ah, j'ai peut-être passé le niveau 10, ce serait pas mal. Oh, nickel. On va pouvoir passer niveau 10 du coup. Perso, Fragile Lady. Attends, Fragile Lady, c'est 5G? C'est 5G, Fragile Lady? Putain, je savais pas. Et re, Ilan. J'irais Aiden. Aiden. Ouais, Aiden, il est vraiment plutôt cool. Et avec Vivaldin. En vrai, j'aime bien, tu vois, ces Pokémon-là aussi, avec les différentes saisons qui, justement, changent leur apparence. Je trouve ça vraiment stylé. Ouais, j'aime bien. Oh, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs les cartes de la nouvelle série. C'est Force Temporelle. Y a une carte. Y a une carte AR. Non, si, ouais. AR de Vivaldin et de Aiden. Ils sont incroyables. Et coucou Apo! Comment ça va? C'est Apo, t'inquiète. Tu sais, maintenant, Apo, t'inquiète pas, je sais. Je sais, Apo, je sais maintenant, je sais. Je sais, je sais, je sais. Tu saches que Apo, tu passes pas inaperçu, tu sais, hein. Avec ce pseudo. putain. Ah, mais voilà. C'est pour ça. Voilà le pourquoi du comment, Soliste. Je trouve qu'en vrai, c'est un peu dommage que Twitch, bah, peut-être essaye pas de rassembler, tu vois, certaines catégories qui feront que, tu puisses trouver peut-être chaussures à ton pied plus rapidement, quoi. Parce qu'on se plaint, en fait, sur Twitch, honnêtement, on se plaint du manque de mise en avant, du manque de, tu vois, de possibilités de découverte. Et c'est vrai que tu vois, ça pourrait être quelque chose qui ferait avancer en tout cas ce souci-là. Je tiens à dire qu'en 5... Oui, non, mais je me doute, hein. Je me doute, Zorua, t'inquiète. Après, est-ce qu'il arrivera? Du coup, on aura un personnage qui s'appellera Zorua. Wow. Mais si, elles sont trop belles, mais moi non plus! J'ai pas eu de chance, là! En vrai, sur la série, j'ai pas eu beaucoup de chance. Place aux jeunes. Attends, mais c'est ici, là? Attends, mais elle est où, là? Ah, elle est là! Ok, alors attendez, est-ce qu'il y a des... Merde. Je sais pas s'il y avait des dresseurs à les battre avant. Bonjour, je suis le guide des arènes. Et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui pour célébrer cela, tiens. Petite eau fraîche. Salut Shango. Tu es bien sur Pokémon? Toi peut-être, moi non, mais toi oui. Moi peut-être pas. Comment tu vas Shango? Coucou à toi. Bienvenue. Vous avez petite version noire 2 là en haut à droite.
Et on va se faire un petit défi de le faire en random nuzlocke. Donc, c'est-à-dire, premier Pokémon capturable par zone. Un Pokémon mort égale un Pokémon au PC et c'est fini. Et tout est aléatoire. Les évolutions, les starters, les Pokémon des dresseurs. Enfin bref, voilà, tout est aléatoire. Ah vraiment, elles sont trop belles. C'est quoi le nom de la série? C'est Force Temporelle, Boule Pollen. Force Temporelle, et c'est les cartes AR de Edain et de Vivaldin. Elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont vraiment belles. On me dit souvent depuis 2 semaines, oui. Oui, vraiment, un jour tu m'expliqueras. Un jour, Apo, tu m'expliqueras le pourquoi du comment. Mais ouais, c'est bien au final. Comme ça, on se souvient de toi, tu vois. Quand Apo passe. Apo trépasse. Non, je sais. Ouais, ouais, vous avez. Allez, hein. Moi, sans la couenne, ouais. Sans la couenne de. Ouais. La couenne de jambon, ouais. Ouais. Non, c'est vrai, Logmat. Mais même, je pense que beaucoup d'entre vous, sans Cohen, sans toute la bande, je pense que vous ne me connaîtriez pas, honnêtement. Je pense. Je serais encore un pélo random à streamer. Je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, c'est tellement aller vite, j'ai l'impression. Mais au final, ça fait à peu près un an que je pense que je connais certains. Tu vas faire une ouverture sur cette série? Alors, je vous avoue que j'ai ouvert deux ETB de mon côté. Je pense pas. Mais très prochainement, il y aura. Alors. Sachez que, les amis, pour ceux qui aiment bien les ouvertures de cartes Pokémon, je vous réserve une très très belle surprise. Pour les 4 ans de la chaîne, j'ai des boosters. Oh là là! Oh les dingues! Oh les dingues! J'ai des petits boosters évolution céleste. J'en ai genre une petite vingtaine là. On ouvrira. Bref. Attends, lui, les poisons. Attends, mais les poisons spectre. Attends, on va tester un truc, je suis pas sûr. Voilà, il y a des. Bref, j'ai des très très beaux boosters. Voilà. On s'ouvrira ça durant le marathon des 4 ans de la chaîne. Ça va être très cool. J'ai trop hâte. Hein. Et j'espère qu'on touchera une dinguerie. Moi, c'est tout ce que j'espère. Je veux une petite carte alternative. Hey, hey, hey. Ah ouais, c'est bientôt là, Ilan, c'est bientôt. Bah, un poil de fiac là. Ah, il faut avoir de la chance, hein. Je rappelle que t'as une chance sur quoi, 500 Pokémon, 600. Je sais pas combien il y a de Pokémon dans la 5e génération. Détritus, alors c'est quoi détritus déjà? 6500 peut l'empoisonner. Choc venin, on est sur quoi? L'effet doublé s'il est. Ah, si l'ennemi est déjà empoisonné. Ouais, mais peut-être pas. Parce qu'en vrai, on va garder ça. Il y a plus de PP. Coucou Echo. Comment ça va? Comment tu vas Echo? Coucou à toi. Merci beaucoup Sabrina pour la série de 3 visionnages. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour les streaks de stream d'ailleurs. Merci Dolly aussi. Hein. Même si je te déteste Dolly, merci pour la streak de stream. Merci Jax. Merci Louloutre. Merci Ilan. Merci à vous pour les séries de. Je suis désolé si je les remercie pas forcément parce que je les vois pas beaucoup. Faudrait encore que je les ajoute et je sais pas le faire, voilà. Mais je vous adore quand même, merci beaucoup. Sans raid, je serais passé à côté de Super Caillou. Ah, mais ça me fait plaisir en vrai. En fait, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que souvent en fait sur Twitch, les gens prennent pas forcément, tu vois, le temps de découvrir la personne. Et c'est vrai que vous avez pris. Enfin, pour certains, vous avez pris le temps et tout de découvrir ce que je faisais. Et du coup, ça m'a fait grave plaisir hein, pour le coup. Ça m'a fait grave plaisir que vous preniez le temps de me découvrir, de passer même quelques têtes sur les streams de temps en temps et tout. Augmente énormément. Oula! Ah, mais c'est la merde du coup. Parce que même le cadeau, ça va rien faire là en termes de. Attends, ça va baisser mon. Ça baisse ma défense. Ça va, c'est la défense. Il a augmenté son attaque, mais a baissé sa défense P, donc ça n'a pas de sens. S'il te plaît, n'attaque pas. Pas de crit, pas de crit. Oh, ok, ça va. Oh, let's go! Le Noctali est si tanky! Oh, ça fait plaisir. Coucou Soubi, comment tu vas? Let's go! Pouf! Let's go! Attends, mais je l'ai pas tué? Comment ça? Je l'avais pas tué? Oh, j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. Ça va, ça va. Le Taïen n'a pas fait autant de dégâts. Qui t'a connu IRL avant de venir ici, c'est vrai. Ça arrive très peu, ça.
Ça, pour le coup, ça arrive vraiment très très peu. Bah, peut-être qu'il y aura de nouvelles personnes qui arriveront après d'autres conventions prochaines. Genre BGF, peut-être. On verra bien. Alors, je vais peut-être aller heal mes Pokémon. Ouais, vas-y, on va aller heal les Pokémon avant. Ça va, 12 et 14 en vrai, c'est pas mal. C'est pas... Ils sont bien XP quand même, pour le coup. Je suis plutôt content. On va aller juste les heal au PC. Parce que j'avoue, le Cyrix m'a fait peur, hein, pour le coup. Sur Insta. Bah ouais, forcément. J'ai vu pour le Bob, bah ouais. Mais Bob, c'était quelque chose. Franchement, Bob, c'était quelque chose, hein, pour le coup. Bob, c'était vraiment fou. Hein. Vraiment, j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé la vibes. J'ai trop aimé juste le fait d'être en IRL avec les gens. Je me suis senti vide pendant 2 jours après. Plus. Mais c'était vraiment incroyable. Par contre, vraiment, Bird of Prey, c'était incroyable. Et j'aimerais, en tout cas, refaire des petites choses comme ça, des petits streams caritatifs comme ça, mais à voir. À voir. Et direct le feeling avec toi et aussi avec les cas. Oh, mais c'est beau, c'est mignon! Non, en vrai, franchement, je suis content. Bah, après, c'est vrai que la vibe ici, en vrai, elle est très détente, très chill. Après, si vous aimez. Je pense que c'est plus les jeux auxquels je joue qu'il faut aimer, mais bon, voilà, on est sur du Pokémon, on est sur du jeu de simulation, on est sur du Nintendo, on est sur du Mario Kart, on est sur des quiz, des machins. Donc, c'est vrai que c'est. Voilà. Après, il y en a qui adhèrent pas avec moi. Il y en a à premier degré, je sais très bien. Je pense qu'il y en a qui sont jamais revenus parce que je les saoulais avec mon énergie. Non, c'est vrai, parce que je parlais trop vite ou... ouais. Et je sais qu'il y en a, tu vois, qui sont jamais forcément revenus avec ça. On se pose, tu vas bien. D'accord. Oh, tu veux faire quoi comme cosplay, Soubi? Tu veux partir sur quoi? Tu vous fais quoi cette année? Merde, j'ai pas vu ce que c'était, bon, c'est pas grave. Eh, Agito, j'ai confiance en toi. Je suis en train inconnu sur ton stream là. Je veux que 2 premières générations. Y'a un Roukoups. Tu connais. T'inquiète pas, tu connais. Mais en vrai. Tu jouais sur quoi? Tu jouais à l'époque sur Game Boy, Apo? En vrai, Pokémon, ça reste quand même une belle licence. Même s'ils ont eu des hauts débats, hein, forcément. Ça reste quand même une très très belle licence. On a chanté ta chanson d'anniversaire vu qu'on l'a en tête. J'ai envie de dire chè. Ah mais comme ça vous les aurez en tête. Un jour je la ferai en studio. Promis, un jour je la ferai en studio avec un coach vocal, etc. Bien sûr. Du coup ça reste quand même ton enfance, Apo. Attends mais c'est ah c'est Chiren. Attends mais Chiren il est oh Chiren. Sacré Chiren bien sûr. Hop là. Ah merde, il faut que j'aille là. Oh putain le Kekos là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Arrête de taper du pied! Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène! C'est aussi mon premier combat en tant que champion! Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret! Oh, Chiren, le Kekos là! Ton énergie, c'est un coup de. Bah, c'est pas pour tout le monde, je pense. En vrai, chacun a. Tu sais, a son idéal en stream, enfin, aime regarder tel ou tel type de personne. Tu sais, il y a des gens qui aiment regarder des gens beaucoup plus chill, d'autres, bah, justement, énergiques, d'autres qui discutent avec les gens. D'autres qui sont là vraiment juste pour le jeu. En fait, tu vois, il y a plein de profils sur Twitch et je pense que forcément, il y a des gens qui sont passés sur ma chaîne et à qui forcément j'ai pas plu, je me doute. Après, mon but, c'est pas de plaire à tout. Putain, mais la vie est nulle, hein. Putain, mais la vie est nulle à chier, merde. Mais voilà, du coup, alors je disais, moi, mon but, c'est vrai que bah c'est pas de plaire à tout le monde, c'est déjà, dans un premier temps, bah c'est un peu con, mais... Putain, ça va être horrible. C'est un peu de plaire à moi-même. Ça peut paraître bête, hein. Mais mon premier objectif, c'est bah du coup, bye à Guito, désolé. La vie est nulle ou t'es nul? Non, non, la vie est nulle! Il m'a mis un coup critique. Non, mais regarde! Il m'a double coup critique! Je sais pas si. Non, mais. Il m'a double coup critique! Alors, du coup, ouais, je disais. C'est pas. Mon but, c'est pas de plaire à tout le monde parce que. C'est pas l'intérêt, mais déjà, tu vois, si je suis fier de mes streams. C'est déjà, tu vois, le principal pour le coup. J'ai peur de ça, que tu me saoules trop à parler, mais clairement, j'aime que tu me saoules. C'est très bizarre, mais je valide. Honnêtement, je comprends pas comment ne pas aimer tes streams. C'est tellement good vibes, on peut parler de tout, des discussions trop intéressantes. Tu essayes de lire tous les messages, c'est incroyable. Je vais chialer, c'est bon.
Hein? Hein? Non, en vrai, merci. Bah, en vrai, sachez aussi que c'est grâce à vous, hein. Que, comme je l'ai dit dans la vidéo... Merde, putain, on est mort. On est full mort. Et pourquoi ils ont tout le temps des... Bon. Ouais, re. Re, Romy. Re. Non, mais... Non, mais en fait, c'est impossible. Je pouvais pas win, en fait, dans tous les cas. Le problème, c'est que je peux pas win. C'est... Je me fais one-shot sur un critique. Et derrière, je me prends un... Bon, bah... Salut, la team. Bonne nuit. Bon, bah... Bon bah on recommence, hein. Et voilà. Voilà, du coup, mais merci, en vrai ça me touche énormément. Et pensez aussi que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que vous faites aussi la bonne humeur de ce stream et que tout se passe bien. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Tu remets ta vie... Oh, oui, là j'ai remis toute ma vie en question, j'ai remis toute mon existence et j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer. Ah. Les deux, franchement, en tout cas, t'étais une découverte de fou. Merci d'avoir joué à Supermarket, mais merci d'avoir regardé ce stream. Qu'est-ce que tu foutais là aussi, Amy, la vraie question. Et Romy. Putain, mais ouais, trois nakis là qui sortent du sol, qui mettent un coup critique. Et bon, alors ce que nous allons faire, nous allons... peut-être relancer une run, hein. Ce que je vous propose, en vrai, c'est peut-être re-randomiser la... Attends... Est-ce qu'on re-randomise la run, la ROM? Je sais pas ce qu'on peut faire, là. Est-ce qu'on essaie de se refaire une... On peut essayer de la re-randomiser, s'il faut. Je peux essayer de faire ça en 2-2, hein. Je peux essayer d'en relancer une autre. Attendez, du coup, je fais ça vite fait en 2-2, ok? Normalement, ça prend pas beaucoup de temps, je pense. Ok, alors... pip, pili, pip. Ok, ok. Ok, ça c'est bon. Ah, attendez, je fais ça vite fait, hein. T'aimes quand même malgré ton chat noir. putain, ouais, non mais... là, j'avoue que j'ai juste... C'est la merde, hein. Putain, vraiment, c'était la merde, hein. Une honte, hein. Safety, mana. Je vais y arriver, hein. Ok. Bon, normalement, ça devrait être bon. Bon, comme ça, au moins, on est bien. Ok. Et alors, est-ce que ça a marché? Alors, du coup, je vais aller voir juste si ça a marché. Bon, sinon... On... Ah, voilà. Ok. C'est reparti. Nouvelle run. Nouvelle... Du coup, là, on repart de zéro, hein. Dans mes recommandations, j'ai pas eu le choix. Non mais ouais, c'est Twitch qui t'a mis le gun sur la tempe. Oh mais let's go Ilan. GG pour le VIP, bien sûr. GG. Attends. Faut que je fasse ça. Hop là, on est bon. Et non mais ouais. Non. Oh mais non, mais la crise. Du coup, il faut encore mettre la musique, c'est ça? Après avoir tué le boss dans les 3 et tout, c'est type ma combat. Allez, let's go, on a tué tous nos Pokémon. Woo. Let's go!
Allez, tu fais ton max pour nous répondre, tu nous inclus dans tes lives. Bah ouais, mais c'est le but, en vrai, c'est le but, en fait, de faire un truc communautaire, tu vois, que c'est pas que, tu vois, je parle que à une personne ou que je parle pas à vous, enfin, tu vois, le but, c'est vraiment de faire un truc plus ensemble, quoi, et pas laisser les gens sur le côté dans les conversations. C'est pour ça, on essaye, en tout cas. Après, c'est pas que, si jamais je vous lis pas, c'est pas que je snob, hein, et il y a des messages que je lis pas, forcément, je ne suis pas une machine. Mais bon, si tu peux rester à plus de 100 mètres de moi... Tu me le diras quand on se croisera, you know, peut-être un jour. Allez, on est reparti, nouvelle... Allez Bon, du coup, attendez, je vais juste peut-être... hein. Allez, on va s'appeler... allez, hop, hop, c'est bon. Moi, je suis un garçon, mon nom, ça reste Rock, bien sûr. Hop, R-O-C-K, il est où le K? Il est ici, ok. L'autre, il va s'appeler... Oh non, mais oui, c'est vrai que c'est Wizbot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Wizbot. Wizbot. Hop. Voilà. Voilà, c'est vraiment juste pour switch tout ça. Voilà, c'est bon. Bon, Baron, on s'est fait vraiment, genre, ouvrir le crâne en deux, quoi. Non, vraiment, la première arène, on s'est fait ouvrir le crâne en deux, là. Ça va pas, hein. Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment, c'est une honte, hein. Bon, vas-y, on va lui dire oui, là. On spam, hein. Putain, mais c'est vraiment une honte, hein. Putain, mais je... Après, j'ai pas eu de chance, pour le coup, hein. Je veux bien que j'ai eu de la chance sur le Noctalie, là. Mais derrière, j'ai pas eu de chance. Derrière, on s'est fait soulever en 2-2. Il avait un Pokémon qui m'a crit une fois. Oh, non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Moi, je n'en peux plus. Bon, allez, c'est pas grave. Merde. On est reparti. On est reparti, on recommence. Il ne s'est rien pas... Il s'est rien passé, d'accord? Ok. Hop, alors. Tac. Parfait, c'est bon, re. On est reparti, les amis. Nouveau Let's Play Pokémon. Là, tout le monde est déjà mort, là. Allez, très bien. Je veux compléter le Pokédex. Cette fois-ci, on y croit. Allez, lorsque tu auras 100 000 followers. Ouais, je voulais. Tu sais que c'était vraiment la vanne, Logmat. La vanne que j'aurais aimé faire. Mais bon. En vrai, compliqué. Parce que bon, Corillon peut aller se faire foutre. Bon, mon choix, il est entre Pikachu et Mouflard. Parce que Mouflard est quand même un Pokémon plutôt fort. Hein. Comment ça, Corillon meilleur? Le pire. Bah, soit Pikachu, soit Mouflard. En vrai, au pire, vous votez. Hein. Vous me dites, je fais en fou. Mais en vrai, Pikachu ou Mouflard. Parce que Mouflard est quand même fort, pour le coup. Hein. Mais Pikachu, bon, ouais. Bon, vous faites... Attends, je vais vous faire un petit sondage, si vous voulez. Je vais vous faire un petit sondage, d'accord? On prend quoi? La team chapeau, chapeau. Pikachu ou Mouflair? Vous êtes plus quoi, vous? Bon, allez, je vous laisse deux petites minutes pour voter. Voilà, n'hésitez pas à voter, les amis. Vous avez un petit sondage, juste pour savoir ce que vous voulez prendre. Non, ouais, je suis un garçon, pas un caillou, malheureusement. Si vous êtes des cailloux timides qui n'osaient pas trop parler, vous êtes bien... C'est ça. Puis même, en vrai, même en règle générale, si sachez que si vous voulez être là aussi sur les streams chill, sans forcément parler, etc., aussi, c'est totalement possible, hein, et il n'y a aucun souci pour le coup. Voilà. Ok, putain, si... me faites pas un 50%. Me faites pas un 50%. Votez entre votre âme et confiance, ok. Putain, c'est vrai qu'il faudrait la pierre foot pour le Pikachu, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, en termes de strat, le problème, c'est que Pikachu, c'est pas non plus le plus intéressant, quoi. Le Mouflair est pas mal. Après, Pikachu, il est emblématique, quoi. Tiens, c'est pas ça, je me dis quelque chose. Allez vous faire foutre, c'est bon. Putain, mais je me suis fait... Non, mais je me suis fait rétamer, on a même pas commencé, quoi. On a même pas commencé, je me suis fait déjà rétamer, quoi. Attends, du coup, ce que je vous propose... Le dresseur éclaté préféré de ton dresseur préféré. Voilà. Je pense que ça paraît plus legit, pour le coup. Bon, à mon avis, on est sur Pikachu qui a 60% des votes. Oui, mais Pikachu, il est cute. Oui, après, je dis pas le contraire non plus, hein. J'ai pas dit le contraire, pour le coup. Et vous allez voir, le rival, il va me prendre un Mouflair, il va me chier dessus. Ça va pas être très drôle, hein.
pas dégueu niveau puissance et peut apprendre des attaques qui n'ont rien à voir avec ces types, genre lance-flamme. Non, mais c'est pour ça que Moufla était un bon choix. Bon, écoutez, de ce que j'ai compris, les votes ont parlé. Hein? C'est pour ça. Bon, vas-y, on peut l'appeler Alex, du coup. Bon, du coup, ouais, on va l'appeler Alex. Vas-y, tournez un surnom. Hop. Comme ça, c'est bon. Hop. Bon, allez, on est parti sur Pikachu, ouais. C'est vrai que j'aurais pu du coup l'appeler Picarine aussi, c'est vrai, c'est vrai. Trois que tu te fasserais éclater. C'est vraiment la vie, c'est juste attendre que le streamer se fasse détruire. Ah putain, allez. On va essayer, promis, hein. Qui va être le prochain Pokémon? Du coup, c'est... Alors, du coup, c'est Jax. Prochain Pokémon, c'est Jax. Comme ça, il sera dans la merde avec moi. Bon, allez, c'est bon. On va éclater le rival. Et on va essayer de speedrun. Bah après, comme ça, on va avoir un peu de chance. Peut-être qu'on va avoir du coup une nouvelle run, on va avoir des nouveaux Pokémon, on va avoir peut-être un peu plus de chance, parce que c'est vrai que là, niveau chance, on était vraiment négatif. Hein. On n'était pas là-haut, quoi. À part le Noctalie, on était vraiment pas terrible. Allez, c'est bon, moi, je veux juste qu'on se batte. Hein. Mais c'est... Oui, mais oui, c'est ça. Moi, je veux juste qu'on se batte, ma gueule. Voilà, c'est bon. Allez, fais ton... Parfait. Ton petit lancer, tout ça, c'est très bien. Ok. Il est quelle heure? Il est déjà 21h30. Putain, le temps passe vite quand on se fait éclater, dis donc. Parfait. Comment ça, il a un bagaïde? Oh bon, le spray du Pikachu est vraiment stylé pour le coup. Comment ça, il a un bagaïde, le ref? Il l'a vu où ça? Ça va, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Allez, tu mets un petit crit Pikachu en 2-2, s'il te plaît. Petit crit. Mais non, mais c'est pas déjà fini. Vous êtes trop négatif aussi, hein. Vous êtes trop négatif. C'est pas fini. Tu vois, tranquille. Tranquille. Et en plus, il est paralysé, nickel. Mais voilà, tranquille, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça passe, ça passe. C'était qu'une trêve de formalité. Que caillou. Merci beaucoup, bonne année 2000. Putain, hey, tu sais que c'est ma date de naissance. Let's go. Le crack, merci. Merci pour le follow, en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue l'an 2000, on est en 2000. Bah, c'est ma date de naissance, en fait, donc pas vraiment. Sinon, globalement, ça veut dire que je ne serais pas né. Peut-être. C'est pas grave, t'es un bon dresseur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles, tu t'entraînes dur, ok, bon allez, c'est parti. Hero Miss Mims, ça a été le boulot. D'où Bagaïde? Alors mais d'où Bagaïde à Erdeb? Et d'où il a Bagaïde en fait? Comment ça il a Bagaïde? Quel moment? D'où? Moi je comprends pas, c'est pas mérité. Comment ça il a un Bagaïde? Il y avait pas Bagaïde. Mais bon. Après forcément, c'est normalement ça s'est arrivé. J'avoue que là juste j'ai pas beaucoup eu de chance. Ouais. J'ai pas eu énormément de chance pour le coup. Mais là cette run c'est la bonne, je sens bien. Salut Ezox, tu vas bien? Bon, vous, ça veut quoi, une petite semaine ou quoi? Tu vas bien, Isoc, ça va? Passez une bonne journée. Retour de la Game Boy Color avec jeu Pokémon. Avec plaisir. Avec plaisir. Après, en vrai, est-ce que les années 2000, c'était pas les meilleures années? Là, on en avait rien à foutre. Là, on rentrait, on regardait Gully Good et on était là avec nos Nintendo DS et nos Lego et nos Pet Shop et on vivait la meilleure vie. C'est vrai, hein, au final. Il y aura plus de Latias et Rel. Malheureusement, malheureusement. Demain, ah, repos, mais voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Tout ce qui nous a... Le repos. Trop cool. On profite bien alors, Miss Miss. T'es en week-end jusqu'à dimanche? Ah ouais, c'était même pas dans les choix, c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends pas trop. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir aller attraper le premier Pokémon. Donc, on a dit c'était Jax. C'était Jax, le premier Pokémon, pour le coup. Bon, allez, vas-y, on y va. Bianca. Oui. Oh, putain, c'est tellement long. Vas-y, attendez. Non, non, mais c'est trop long, c'est trop long. C'est bon, non, 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 je passe, je passe. Je passe, là, et, toutes les explications, là, moi, ça me va pas. Oui, machin, ok. Ok. C'est bon, au revoir, maman, des bisous. Je t'aime. Ciao, bye. Et on va vivre l'aventure. Non, je veux samedi, ça. Bon, au moins, déjà, demain de off. T'as prévu quoi de beau, juste repos? Peut-être. Dolce Vita.
ce week-end? Ou juste là, dans Pokémon, peut-être? Ou tu parles juste du début des années 2000? Non, mais maman, je la revois plus, là, c'est fini, hein. C'est fini, non, maman, je te revois plus, là. C'est mort. Et là, je suis un pauvre pigeon. Ah, Jax, tu sais, c'est la dure loi du métier, malheureusement. Non, mais y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Demain, t'es en vacances, toi, Ezox. Et c'est trop compliqué, là, les délires de vacances, là, qui sont... pas en simultané et tout, non. C'est trop compliqué, en vrai. J'arrive même pas à suivre. Je sais pas qui est en vacances, ni quand. Et profite, en tout cas. Profite. Bon, allez, nickel. J'attends le route 1. Oh, si c'est Giratina, je... Mais quoi que, je peux même pas l'attraper. Si c'est un... En fait, si c'est un Giratina, je peux même pas l'attraper, je pense. Parce que les Pokéballs vont pas marcher, pour le coup. C'est pour ça. Ouais, la zone B. Ok, zone B. T'es en vacances. Du coup, là, t'as 2 semaines de vacances. Donc, vous êtes les derniers en vacances. Imagine, c'est un Azuril. C'est possible. En vrai, tout est possible, hein. Absolument, tout est possible. Allez, c'est bon, là, s'il te plaît. Juste un bon Pokémon. Un truc qui évolue ou un délire comme ça. Juste dormir, je trouve que c'est un bon problème. T'as bien raison. J'avoue que t'as bien raison, pour le coup. Moi, demain, c'est... Demain, en gros, j'ai prévu du coup d'aller choper la voiture pour essayer d'aller commencer à faire du repérage de meubles pour l'appartement. Donc en vrai, j'ai hâte. C'est trop cool. C'est trop cool pour le coup. Hop, allez. Bon, un peu de chance, s'il vous plaît. On a un peu de chance. Allez. Allez, s'il te plaît. Bah, c'est pas mal tout ça. Bah, c'est pas mal. Bah, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on irait pas faire étreinte parce que j'ai peur de le tuer avec le reste. Comme ça, elle va être prise dans l'étreinte. Je pense. En vrai, c'est trop cool. Tu montreras sur Insta. En vrai, carrément, bien sûr. En vrai, n'hésitez pas à me follow sur Insta, d'ailleurs, by the way. Si vous n'êtes pas déjà là-bas, c'est un peu là où en temps normal, je raconte ma vie. Voilà. Voilà, ouais, mais du coup, je vous montrerai carrément si je trouve des petits trucs ou quoi que ce soit. Après, normalement, je vais pas acheter. En fait, je compte pas acheter, c'est vraiment essentiellement du repérage. Parce que comme ça, c'est derrière, dès que je ferai vraiment mes courses et que j'aurai l'appartement, enfin, dès que j'aurai les clés, ce sera plus simple. J'ai appelé un groupe avec une order ball, donc tout est possible. Attraper un Kyogre avec une order... C'est pas... Je suis niveau 7. Non mais on va jamais jouer à ce jeu, hein. Non, on va garder, on continue. Non mais c'est bon, vous avez rien vu. Oh, on a recommencé, coucou maman. Non mais je suis niveau 7. Je suis niveau 7, elle est niveau 4. Je veux bien, mais non. Hashtag team, je repère puis j'achète. En vrai, ça dépend. Je le fais pas toujours, mais là, je me dis, ça sert à rien que j'achète. Parce que je vais les foutre dans mon garage. Et je vais devoir les transporter au nouvel appart. Donc, à moins que je trouve une affaire en or, quoi. Mais sinon, ouais. Voilà. Putain. Calico, t'arrives au pire moment. Ok. Ah, on a recommencé l'aventure. Oh, Togekiss. Trop bien. En vrai, c'est stylé, Togekiss. Si, j'ai des excuses. Mais tu vois, je suis obligé de faire étreinte parce que si je fais le reste, regarde, on fait point éclair, je one shot. Non mais c'est vrai, la vie est nulle. Putain, mais je vais total. Mais non, mais je peux pas. Bah attendez, mais je vais faire. Attendez, c'est pas possible, hein. Je dois faire une attaque électrique, c'est fini, hein. Allez, le petit éclair, on one shot et oh non, on va pas pouvoir attraper de Pokémon. C'est pas possible. Oh non, mais ça va, je lui fais... Oh, après, il est très tanky, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très, très tanky, hein. Eh ouais, mais c'est pour ça. En fait, je pensais que j'allais totalement le one-shot, mais en fait, pas du tout, ça va. C'est ok. Donc là, on va pouvoir refaire une attaque éclair. Et après, on va pouvoir essayer de le capturer. Tu vas bien, Calico? Ça va? Putain, c'était chaud du cul, hein. C'était quand même... Ah,
Allez, il est quelle heure, les amis? Allez, il est peut-être l'heure de d'arrêter. Waouh, j'espère que vous avez passé un bon live en ma compagnie, hein. Mais c'est pas possible. Bon bah, NP, hein. Bon bah... Ouais, je vais souffler un coup. Je vais boire de l'eau. Vous avez raison. Je vais boire de l'eau, ça ira peut-être mieux. Je pense que je vais boire de l'eau. Bon, Jack, t'inquiète pas, tu seras le prochain. On va foncer à la prochaine zone. Voilà. Bienvenue, gros. Oh, merci beaucoup. Si tu verras qu'on est vraiment... Merci beaucoup, Calico. Merci beaucoup pour le T1. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le sub. Ça, je crois sur les devoirs à rendre. Tu dois rendre quoi de... Quoi de... Courage, en tout cas, Calico. Ça va le faire. Crois en toi. En tout cas, sache que tu seras toujours meilleur que moi sur Pokémon à l'heure actuelle. J'allais dire que la run commence, c'est mieux. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour le sub. C'est adorable. Merci, merci. Et courage en tout cas pour le taf. Courage. Bon bah ouais, c'est... Ouais, je pense que j'ai besoin d'un petit tour de terrain là, en 2-2. Parce que là, je fais n'importe quoi. Hein. Mais vraiment, je fais n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est une honte. Genre, je sais pas ce qui se passe. Là, le... Non. Le jeu me chie à la gueule. Non mais je suis très franc. Hein. Mais là, le jeu me chie à la gueule pour le coup. Et là, Rayquaza, tu meurs, imagine. Imagine. Allez, c'est pas grave. On va voir ça, c'est bon. C'est, on a reset mental. Putain, mais ça n'aura aucun sens. Hein. Vraiment, ça n'aura aucun sens. Hein. Vraiment, cet épisode n'aura aucun sens. Bon. Plus le temps de jouer en ce moment. Mais bon, décompresse via Twitch, t'as bien raison. Après, courage, ça sera c'est des passades, forcément. C'est pas tous les jours simple, t'as... Il y a des semaines où t'as beaucoup de taf, une autre moins, où tu peux plus profiter. Mais courage en tout cas. Oui, oui. Bah en vrai, faut croire en moi, parce qu'on part du principe que j'ai fait Pokémon Soul Silver en random Nuzlocke, en entier. Franchement, j'ai géré, tu vois. Là, c'est juste que le début est un peu dur, pour le coup. Voilà, il y a le monsieur là qui va nous faire... Non, mais il me stalk en plus, là, laisse tomber, hein. Allez, c'est bon, là, machin, il va me dire... Hop. Voilà, comme ça, après, on va aller voir le pote, on va lui donner la deuxième carte, et on est bien. Hop là. Nickel, allez. Du coup, alors, deuxième Pokémon. Celui-là, du coup, on est sur la route 20. Ah oui, il y a lui à battre, ok. Oh, merde, j'espère que j'ai des HP. Ouais, normalement, j'ai des HP, c'est bon. C'est bon, c'est pas bien. Oh, tu triches. Non, en vrai, ça va. En vrai, je triche pas tant que ça, là, pour le coup. Là, je suis plutôt honnête. Non, là, je suis un dresseur honnête. Je veux bien, hein. Mais pourquoi ils ont toujours... Putain. Bah, c'est loose. Mais c'est loose, je peux pas... C'est pas possible. Bah ouais, parce qu'il est type sol. Voilà pourquoi Pokémon, pourquoi Pikachu c'était le pire choix. Bon bah GG. La seule chose que je peux faire c'est ça. Oh putain. Bon bah non mais GG. Je me fais one shot là. Voilà. Oh, je le statique. Attendez, je le statique. Non, mais là, j'ai vraiment zéro chance. Là, vraiment, je le paralyse. À la limite, c'est peut-être le truc qui peut me sauver. Et encore. Et encore, je suis pas sûr, là. Ouais, non, mais là, je suis mort, là. Là, je pue. Bon, bah, on est reparti. On va reload d'une ROM parce que, bah, malheureusement, je ne peux rien faire. Voilà, Je vous le dis, mais je ne peux rien faire. Voilà. Donc on va reload une ROM. Désolé, hein.
Non mais ouais, parce que là c'est... Non mais c'est horrible. Je me fais exploser la gueule. Ok...